un de nos bistrots préférés. Je vais donc faire l'introduction. Je représente le groupe d'appui Place d'Italie. Il y a 7 groupes d'appui dans le 13e. Et il y a des représentants des autres groupes que je vois qui sont là aussi. Nous avions pensé inviter Mathilde Panot depuis longtemps, depuis qu'elle est élue. Mais il faut le temps. Et faire connaissance avec une des 17 députées de la France insoumise. Et le thème que nous avons choisi, c'est le nucléaire. Pourquoi en sortir? Pourquoi une urgence de sortir du nucléaire? On pourrait penser qu'il y a d'autres sujets plus importants, plus urgents, aujourd'hui, avec les attaques de Macron, le coup d'État social. Mais en fait, l'énergie est au cœur de tous nos problèmes, au cœur du développement économique, au cœur du changement climatique. Et la question, effectivement, si on veut changer de société, c'est comment faire pour que tout le monde vive bien, vive confortablement, puisse se déplacer sans brûler la planète, sans détruire la planète. Et comme Mathilde, que j'avais rencontrée dans les caravanes de l'espoir, si vous avez connu cette action de la France insoumise, est aujourd'hui députée et qu'elle siège donc à la commission de l'Assemblée nationale pour le développement durable, on pensait qu'elle pourrait parler justement de cette urgence nucléaire, de cette pourquoi ce problème est aussi important. Voilà, je vais lui passer la parole et après vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous turlupinent et qui vous, sur ce sujet de l'énergie et en particulier du nucléaire. Merci beaucoup au groupe d'action qui a organisé cette rencontre. Je vous propose que je fasse un propos introductif un peu court pour qu'on soit plutôt dans un temps d'échange, parce que je pense que la situation dans laquelle on est là se prête bien à un échange, et je pense que c'est plus intéressant qu'on fasse comme ça. Et juste pour commencer sur un grand angle sur la politique écologique qu'a fait Macron depuis 6 mois, la première chose qui quand même nous a fait extrêmement plaisir hier, et je pense qu'il faut commencer par cette bonne nouvelle-là, c'est évidemment que nous avons gagné à Notre-Dame-des-Landes, qui est une lutte qui a plus de 40 ans, sur laquelle je pense qu'il faut vraiment être sur quelque chose où on se réjouit qu'un projet inutile qui est aussi anti-écologique qu'il était. Et il faut toujours le rappeler dans les débats qu'il y a en ce moment, que s'il n'y avait pas eu les opposants pour être là pour dire ce n'est pas raisonnable de faire ce projet-là, eh ben on aurait fait un projet qui se trouve être beaucoup plus coûteux que l'aménagement de l'aéroport de Nantes, qui se trouve être anti-écologique, notamment sur la zone humide qu'il y a. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cette lutte, et c'est parce que cette lutte a payé, que finalement on arrive à une solution raisonnée. Et je pense qu'il faut commencer par se réjouir d'avoir gagné sur cette bataille-là, sur laquelle la France insoumise a été extrêmement présente. Donc l'urgence écologique en général, c'est quelque chose qu'on a beaucoup porté dans le programme de la France insoumise pendant les présidentielles. On arrive à un moment absolument dramatique de notre histoire où c'est la survie même de l'humanité qui est en jeu. Vous le savez, il y a une étude notamment qui est sortie qui montre qu'il y a moins de 5% de chances de rester en dessous des 2 degrés Celsius, au-delà duquel on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc cette urgence-là, elle n'est pas du tout prise en compte aujourd'hui par le gouvernement Macron, ou dans un espèce de coup de communication avec « Make our planet great again ». Enfin, vous avez tous entendu ces gros coups de com'. Alors qu'en fait, si on regarde dans les 6 mois ce qui s'est passé, on arrive avec le CETA qui a été mis en place provisoirement, donc qui est cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui va de fait augmenter les échanges qui vont avoir lieu entre les deux continents et augmenter les émissions de gaz à effet de serre. On a le glyphosate, dont plusieurs associations ont montré qu'ils étaient présents dans 100% des urines des Français et des Françaises, et qui est quelque chose qui donc concerne absolument toute la population, nous empoisonne de manière massive, et qui est donc le principe actif qui est notamment dans le Roundup de Monsanto et qui est utilisé énormément, pas directement via le Roundup, mais qui est utilisé énormément en France, et sur lequel il y a eu cette autorisation
qui a été repoussée, donc avec une interdiction qui n'arrivera pas pour l'instant. On a eu évidemment le recul sur le nucléaire, mais ça on va en reparler longuement ce soir, où Nicolas Hulot a dit que finalement l'engagement de la France de 2015 d'aller vers 50% du nucléaire ne se ferait pas, parce que en plus en utilisant l'argument climatique pour justifier le fait qu'on n'allait pas respecter les engagements qui avaient été pris de manière internationale. Et voilà, on pourrait faire une liste comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, de la loi hydrocarbures, qui est une loi qui... donc, vous savez que une des choses que disent les scientifiques, c'est que pour, en tout cas, freiner le réchauffement climatique et rester en deçà des 2 degrés, il faudrait laisser 80% des hydrocarbures, pétrole, gaz, etc., sous terre. Là, Nicolas Hulot a fait une loi qui a mis en place l'interdiction d'exploiter et de rechercher des hydrocarbures en France, qui représente 1% de la consommation française, donc c'est peu, mais ça aurait pu être une loi symbolique qui était intéressante. Mais même là-dessus, ça a été des exemptions sur des exemptions qui, à la fin, fait que la date de 2040 à laquelle on n'a plus le droit d'exploiter les hydrocarbures ne sera jamais respectée, notamment parce qu'on ne s'est pas attaqué au droit de suite, et que 3 jours avant de mettre en place la loi, Nicolas Hulot a autorisé la prolongation d'un permis de recherche en Guyane maritime, qui fait que du coup, on arrive avec des permis qui vont aller pratiquement jusqu'à 2070. Donc, on a un coup de com' généralisé sur l'écologie de la part de Macron et de son gouvernement, qui en fait, dans les faits, se retrouve toujours par la non prise en compte de ces enjeux écologiques. Et puis, il faut faire, je pense, un lien qui est important, c'est que nous, dans notre programme, on a toujours lié les 3 urgences, l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Et on ne peut pas délier ces urgences-là. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron donne littéralement avec le budget 2018, mais littéralement fait un chèque à chacun des 100 personnes les plus riches de 1,5 million pendant qu'il prend 5 euros d'APL, qu'il augmente la CSG pour les retraités, qui va notamment impacter les retraités, etc. On a quelque chose qui va augmenter les inégalités sociales en France. Or, on sait que plus on a une société inégalitaire, plus on a une société qui devient anti-écologique. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que aujourd'hui, les 10% des plus riches ont jusqu'alors émis les 50% des émissions de CO2 dans toutes les sphères, les 10% les plus riches. Donc on est sur quelque chose où plus une société est inégalitaire, plus une société va être anti-écologique. Donc tout est lié, et le fait qu'Emmanuel Macron ait cette politique sociale extrêmement violente va aussi à l'encontre juste la possibilité de continuer à avoir une terre qui est habitable, tout simplement. Ça, c'était pour un peu planter le discours général. Je vous fais un petit point aussi sur ce que nous, on fait à l'Assemblée, parce que je pense que ça permet aussi de bien planter tout ça. Nous, donc, on a un groupe de 17 députés à l'Assemblée nationale, un groupe de 17 députés France Insoumise, et... Dans cet hémicycle, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est d'avoir à la fois un pied dans l'hémicycle et un pied en dehors de l'hémicycle, et de sortir aussi les débats qui sont dans l'hémicycle en disant « la politique ne peut pas être seulement une affaire d'experts, et la politique c'est comment on vit ensemble, donc tout le monde a le droit de se prononcer sur des choses, et ça va être extrêmement lié au débat sur le nucléaire que nous voulons avoir dans la société là aussi, et la campagne que nous voulons mener à la France Insoumise. » Donc, à la France Insoumise, dans le groupe parlementaire, vous avez vu probablement, on fait un travail d'amendement extrêmement poussé. On essaye de réagir et en tout cas d'être dans l'hémicycle, cette force qui montre qu'il n'y a pas que l'alternative de société d'Emmanuel Macron, mais qu'il existe une autre manière de vivre ensemble. Parce que si vous regardez, Macron, c'est exactement la continuité de ce qui a été fait sous Sarkozy, Hollande et Macron. Le renouveau n'existe absolument pas. Il continue sur le même dogme politique avec... Toujours, on enlève 4,2 milliards à l'hôpital public, on enlève... Enfin, voilà, on continue sur la même lancée, et puis surtout, on fait des cadeaux aux ultra-riches, on enlève l'ISF, on est exactement sur la même lancée. Donc nous, on est à la fois pour faire un travail d'opposition à la société de Macron, et puis à la fois aussi pour faire un travail de proposition. On a délivré thématiques qui ont été faites durant la campagne avec des contributions citoyennes
Donc on a une quarantaine de livrets qui complètent le programme, et le travail parlementaire qu'on fait complète aussi cette chose-là. Donc moi, je suis, pour ma part, à la commission développement durable, donc il y a différentes commissions. Donc je suis les textes écolo, et on va régulièrement soutenir des luttes. Donc on a été évidemment à Notre-Dame-des-Landes plusieurs fois, on a été à Bure, on a été... Donc l'idée, c'est d'avoir toujours ces deux pieds entre les deux. Et c'est comme ça aussi qu'on est une force dans la société qui convainc, qui construit, et pas seulement une force de première opposition, même si nous revendiquons de n'être absolument pas d'accord avec le projet que porte Emmanuel Macron. Donc le mouvement de la France Insoumise, c'est un mouvement qui aujourd'hui doit avoir, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais à peu près 180 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme et qui disent soutenir la France Insoumise. Et donc, nous avons une convention qui, si je ne me trompe pas, était en octobre, hein, le temps passe. Novembre, bah voilà. Et lors de cette convention, il y a eu donc un vote en ligne avec le choix de plusieurs campagnes. Donc il y a eu une campagne qui a été choisie contre la pauvreté, qui est extrêmement d'actualité effectivement aujourd'hui, quand on voit que Emmanuel Macron avait dit que plus personne ne dormirait à la rue, etc. D'ailleurs, chiffre intéressant à retenir, à balancer de temps en temps quand vous parlez avec des gens, le budget 2018 pour Muriel Pénicaud, qui fait partie des 12 millionnaires qui sont au gouvernement, le budget 2018 lui offre 62 000 euros en plus par an. Si on prend ce chiffre de 62 000 euros en plus par an, c'est comme si on ne finançait pas 3 400 nuits d'hébergement. Pour une personne qui est déjà millionnaire, nous ne finançons pas 3 400 nuits d'hébergement. C'est juste honteux. Bon, ça, c'est pour un petit chiffre qui peut servir dans la discussion parfois. La campagne contre la pauvreté, la campagne contre l'évasion et la fraude fiscale, qui est étroitement liée là aussi avec le sujet écologique qui nous amène, parce qu'on voit, quand on regarde dans les détails, mais ça on pourra en reparler tout à l'heure, que les banques et l'évasion fiscale détournent énormément d'argent et les banques financent énormément d'entreprises qui investissent dans les énergies fossiles, et donc sont autant de choses qui freinent aussi le manque d'argent qui va évidemment vers les services publics, vers tout ce qui est politique sociale, mais aussi dans ce qui est la politique écologique. Et donc on voit là encore que le lien est extrêmement extrêmement fort. Et puis la dernière campagne, c'est celle dont on est là pour parler ce soir, c'est la campagne pour la sortie du nucléaire et pour la promotion des énergies renouvelables. Faut pas oublier la fin, parce que c'est aussi la solution que nous on porte, parce que on n'est pas juste pour se battre contre, on est aussi pour faire une campagne positive. Alors cette campagne, donc elle a été choisie par les Insoumises, mais elle est arrivée dans un moment où Nicolas Hurlot reculait sur cet engagement de 2015 dont je vous parlais tout à l'heure, avec des arguments complètement fallacieux, et ça je vais en parler juste après. Mais du coup elle arrive à un moment où en fait on dit soit on continue avec le nucléaire, soit on ferme les 4 centrales à charbon, comme s'il n'y avait que ce choix-là qui se posait et qu'on ne pouvait pas avoir d'autres choix qui arrivaient. Donc elle arrive dans ce moment-là de recul, là encore, de renoncement du ministère de Nicolas Hulot et plus généralement du gouvernement autour de Macron. Et puis elle arrive aussi dans un moment où la France est complètement à rebours des autres pays. Je veux dire que là, en 2016, j'avais regardé les chiffres, en 2016, l'énergie nucléaire fournissait 15% de l'électricité mondiale. 15%, c'est rien du tout en fait. Ça veut dire que le nucléaire, dans le monde entier, est en recul. Et la France, avec ses 58 réacteurs et les 67 millions de Français et Françaises, est le pays le plus nucléarisé par rapport au nombre d'habitants au monde. Donc on est vraiment dans une situation atypique où le nucléaire est un excellent exemple, parce que souvent on nous dit planification écologique, mais quelle horreur la planification, vous voulez faire quelque chose à la soviétique. Le nucléaire, c'est le meilleur exemple de planification qui a été fait, c'est-à-dire que l'État a organisé le fait qu'on dépende massivement de cette source d'énergie. Et donc, la planification écologique est aussi le moyen d'en sortir. Mais donc, on arrive à un moment où la France est complètement à rebours de tout ce qui se fait déjà en Europe et dans le monde aussi. Et par exemple, quand on regarde les chiffres allemands, pour une fois, on va citer l'Allemagne, comme ça on ne dira pas qu'on est germanophobe. Allemagne, intéressant, entre 2011 et 2017, il y a eu 9 centrales qui ont été fermées.
la part du renouvelable a augmenté de 20 à 35%. En France, on est à 17%, donc on n'y a rien du tout. Et il y a eu 200 000 emplois créés. Donc, tout ce qu'on vous dit sur le nucléaire, si on ferme les centrales nucléaires, et ben, ça va créer un chômage de masse. Et tout ce qu'on vous dit sur, en fait, on n'est pas prêt, etc. En fait, le fait de rester dans le nucléaire aujourd'hui freine le développement des énergies renouvelables. Pour plusieurs raisons dont je parlerai après. Donc, c'est une campagne que la France Insoumise a décidé de mener parce que nous voulons à la fois incarner l'opposition à Macron, mais nous voulons aussi porter nos propositions dans la société et que ces campagnes de 2-3 mois, elles permettent aussi de porter notre alternative de société et d'expliquer quel serait notre projet si nous étions au pouvoir. Donc cette campagne, elle va se faire comme on fait généralement des campagnes. Donc il y aura des kits militants avec des tracts, des affiches, etc. Donc tout ce qui est autour de la conviction, d'aller convaincre les gens autour de nos propositions et de pourquoi nous positionnons pour la sortie du nucléaire. Et puis, on va faire une votation qui devrait avoir lieu du 11 au 18 mars. Alors, pourquoi le 11 mars? Parce que c'est les 7 ans de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Et puis, entre le 12 et le 16 mars, il y a l'ancien premier ministre japonais qui était le premier ministre au moment de la catastrophe de Fukushima, qui à l'époque n'était pas tellement anti-nucléaire d'ailleurs, mais qui est devenu depuis un fervent militant anti-nucléaire, et donc qui vient en France, notamment faire une conférence de presse à l'Assemblée avec le groupe de la France Insoumise, qu'il a identifié comme étant la force politique qui porte la sortie du nucléaire, et puis faire le tour de certaines centrales, notamment... de l'EPR dont on reparlera juste après, qui est ces centrales nouvelle génération qu'ils veulent faire et qui sont des espèces d'inventions extrêmement dangereuses et sur lesquelles je reparlerai. Donc le but de notre campagne, c'est d'imposer cette question dans le débat et d'imposer cette question dans le débat notamment parce que le nucléaire est une question complètement opaque en termes de démocratie. C'est une chose qui est complètement cachée. C'est extrêmement dur d'avoir accès à des informations. On est sur des choses où il y a des conflits d'intérêts, des militants qui sont harcelés. Vous pourrez notamment demander aux militants de Bure qui luttent contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires donc dans l'est de la France, qui racontent qu'ils sont dans leur cuisine, quand ils sont dans leur cuisine ils se font filmer, qui dès qu'ils sortent se font filmer aussi, subissent des pressions absolument régulières. Donc c'est un enjeu extrêmement fort sur lequel il est extrêmement difficile d'avoir un débat posé et sur lequel surtout les Français et les Françaises ne se sont jamais prononcés. Donc l'idée de la votation qu'on veut faire, c'est aussi de... Nous, décider qu'on est une force qui mettons cette question dans le débat, et c'est notre contribution, on la met dans le débat, où on a invité largement des associations, des syndicats, d'autres partis politiques. C'est pas pour porter la question nous-mêmes tout seuls en disant « Regardez comme la France Insoumise est magnifique », c'est on a décidé qu'on impulsait ce thème dans le débat, et c'est l'idée de la campagne qu'on veut faire. Donc, sur le nucléaire, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais quand même essayer de balayer un peu pourquoi nous, on s'est positionné sur la sortie du nucléaire. Et la première des raisons, c'est évidemment une question déjà de sécurité et de sûreté. C'est-à-dire que quand vous regardez l'actualité des derniers mois, vous voyez très régulièrement des rapports qui montrent qu'il y a dans la rouille dans les tuyaux de refroidissement, des rapports qui montrent que, notamment sur l'EPR dont on parlait juste avant, que la cuve et le couvercle de l'EPR seraient défaillants, auraient des fissures dedans, et que l'ASN le savait et que ça a été caché. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez incroyable. Et on parle quand même de faire des tests dans l'EPR pour savoir si on peut le mettre en service ou pas, sachant que si cet EPR est mis en service, à partir du moment où il est mis en service, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc on est sur une décision extrêmement grave et sur laquelle jouent beaucoup d'enjeux internationaux, notamment parce que la France est extrêmement fière de ce fleuron industriel qu'elle fait et a massivement exporté
des centrales ou des EPR, notamment la Chine qui attend l'avis de l'ASN pour lancer les siens. Et donc il y a cette pression là qui est mise aussi en disant il faut garder les profits qu'on fait en exportant ce savoir-faire nucléaire français et donc continuer sur cette voie là. On a, je vous avais trouvé ce chiffre là aussi, attendez je vais vous le retrouver parce que c'est intéressant. Si on prend par exemple une centrale, la centrale de Tricastin, depuis que la centrale de Tricastin a été mise en place, on a eu plus de 1000 incidents qui ont impacté les salariés, les sous-traitants, pollué l'environnement depuis le début. Et donc aujourd'hui en France, nous ne sommes absolument pas à l'abri d'avoir un accident nucléaire tel qui s'est passé à Fukushima, tel qui s'est passé à Tchernobyl, avec des coûts extrêmement élevés. Excusez-moi, parfois je me perds un peu dans mes fiches, mais je vous avais mis aussi le coût qu'avait le nucléaire s'il y avait un accident nucléaire. Je vous donne un exemple, l'accident nucléaire de Fukushima, ça a dépassé les 170 milliards d'euros. Enfin, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire aussi. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est tout à fait possible, d'autant plus que les centrales vieillissent. Et donc, pour faire ce qu'on appelle le grand carénage, on va dépenser 100 milliards d'euros. Donc 100 milliards d'euros pour essayer de rafistoler comme on peut les centrales nucléaires, c'est 100 milliards d'euros qui concrètement ne seront pas mises dans les énergies renouvelables. Et souvent, moi, j'aime bien dire ça quand je suis en réunion sur les énergies renouvelables, c'est « Est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a d'éoliennes en mer en France ?» Zéro. Voilà, il y en a zéro. Alors qu'on sait que l'énergie marine pourrait pourvoir à 80 fois l'énergie dont a besoin la Terre entièrement aujourd'hui. Et que la France a évidemment un... Elle a une chance sur cette question-là qui est extrêmement forte, et pourtant nous avons zéro éolienne en mer. Il faut vous rendre compte à quel point c'est freiné par ça. C'est les chiffres que je vous donnais sur l'Allemagne, par exemple, c'est intéressant. Quand nous, on est à 17%, eux, ils sont beaucoup plus hauts, aussi parce qu'il y a eu cette décision politique de sortir du nucléaire. Donc, il y a tout ce qu'il y a autour de la sûreté des centrales qui, aujourd'hui, n'est plus assurée, d'autant plus qu'ils repoussent la durée de vie des centrales de plus en plus et donc mettent en danger de plus en plus les Français et les Françaises, sachant que, pour vous donner un chiffre qui est intéressant, aujourd'hui, il y a 2/3 des Français qui vivent à moins de 75 km d'une centrale. Donc, ça veut dire que l'impact, il concerne absolument toute la population. Et sur les dangers du nucléaire, on en entend extrêmement peu parler. Donc il y a cette question de sûreté. Ensuite, il y a la question de la sécurité des centrales. La plupart de nos centrales, voire toutes nos centrales, ne peuvent pas, par exemple, résister à un avion qui se crache dessus. Dans les centrales nucléaires, aujourd'hui, ils font de plus en plus appel à des sous-traitants qui sont extrêmement malmenés, qui sont extrêmement fatigués, donc avec des erreurs humaines possibles, et puis aussi des cas de malveillance possibles, puisque du coup, on contrôle aussi moins qui rentre, qui sort d'une centrale, puisque par exemple, pour vous donner une idée, sur Areva, ces trois dernières années, a supprimé 5000 emplois, elle vient de licencier 200 travailleurs nigériens. Donc on a un truc où on est en précarisation de plus en plus des travailleurs des centrales, qui crée aussi un problème de sécurité. Et sur cette question-là, il y a un excellent documentaire d'Arte qui est sorti récemment et qui montre les problèmes. C'est-à-dire que concrètement, dans ce documentaire, vous voyez des militants de Greenpeace qui arrivent à savoir quand est-ce que des convois passent et qui vous montrent, ils sont au-dessus d'un pont, le convoi passe en dessous et ils disent bah, si moi, par exemple, je voulais porter atteinte à ces convois-là, c'est extrêmement facile parce que je sais déterminer les trajets des convois. C'est quand même délirant en termes de sécurité. Donc, ça met en danger la vie des Françaises et des Français à cause des problèmes de sûreté et du vieillissement des centrales, à cause des problèmes de sécurité. Et puis, évidemment, il y a tous les éléments radioactifs qu'on retrouve dans l'eau, dans l'air, autour des centrales notamment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le coût du nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est faux de dire que le nucléaire est une énergie bon marché. L'énergie nucléaire est en train d'exploser. Areva et EDF ont des dettes extrêmement fortes. EDF a une dette de 50 milliards d'euros. Et Areva s'est déjà fait recapitaliser en 2017 de 4 milliards d'euros.
Et aujourd'hui, vous avez énormément d'études qui vous montrent que les énergies renouvelables sont moins chères que le nucléaire. Donc si on reste dans cette énergie, c'est par entêtement idéologique. C'est un entêtement idéologique. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre à mettre dessus. Il n'y a aucune raison de rester aujourd'hui dans une énergie qui n'est pas sûre, qui n'est pas moins chère et qui, en plus, nous met en danger. Et puis, dans le nucléaire, souvent, on oublie des coûts. On oublie, notamment, il y a des rapports qui ont montré que il n'y avait pas assez de provisionnement pour le démantèlement des centrales par rapport à ce que ça devrait coûter. Et d'ailleurs, on pense que le chiffre qui avait été annoncé est sous-estimé. Donc, mais ils provisionnent beaucoup moins que ce qu'ils devraient pour le démantèlement. Il y a plein de coûts cachés comme ça qui ne sont pas mis dans le nucléaire. Bon, et puis après, on vous dit souvent, oui, mais en fait, c'est aussi pour ça que Nicolas Hulot a reculé, oui, mais en fait, on reste dans le nucléaire parce que le nucléaire, c'est une énergie propre. Mais alors ça vraiment, c'est une blague, parce que quand vous regardez, si vous rentrez dans les chiffres concrets, je ne vais pas vous les faire tous là, si vous voulez, on pourra détailler un peu après, mais bon, déjà, c'est faux par rapport à plein d'autres sources d'énergie renouvelable. Et puis, dans le nucléaire, par exemple, une des choses dont on ne parle jamais, c'est les déchets radioactifs. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'on peut faire de ces déchets-là. Donc, la solution qu'ils ont trouvée pour Bure, c'est de les enfuir à un couche géologique profonde. Et ils continuent, je ne sais pas si vous avez vu, Nicolas Hulot s'est exprimé sur ce sujet en disant que c'était la moins mauvaise des solutions, alors même que il y a eu plusieurs rapports qui ont pointé des risques d'incendie et qui ont pointé des risques d'actes malveillants aussi, et qui ont dit que bon, il y avait quand même pointé plusieurs problèmes autour de ce projet-là qui sont complètement ignorés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comparer avec un autre projet dans l'est de la France qui s'appelle Stockamine. Stockamine, c'est des déchets ultimes qu'on a aussi enfouis en couches géologiques profondes. Il y a eu un incendie dans ces couches-là. Ils ne savent même plus exactement ce qu'il y a dedans, ou en tout cas, ils ne communiquent plus pas sur ce qu'il y a. Donc, ils ont dû déstocker une partie des déchets. Ils ne savent pas comment déstocker tout. Et on a en dessous de ce projet-là la plus grande nappe phréatique d'Europe. Enfin, je veux dire, c'est de l'inconscience pure et simple, alors que vous avez des scientifiques qui vous expliquent que oui, parce que quand on nous dit stockage en surface, et au moins on peut surveiller les déchets, ce qui est déjà une précaution qui est faite, ils nous disent oui, mais on ne va pas surveiller les déchets pendant des centaines de milliards d'années. Ben, en fait, si, parce qu'on est obligé de faire ça, parce que ça, c'est l'impensé du nucléaire en soi. L'impensé du nucléaire, c'est de dire que, en fait, on ne sait pas quoi faire de ces déchets. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut sortir du nucléaire. Et puis, sur l'énergie propre aussi, 100% de l'uranium qu'on utilise aujourd'hui pour les centrales nucléaires est de l'uranium importé, ce qui crée là aussi, qui n'en fait pas une énergie propre, et en tout cas pas une énergie sur la durée, parce qu'on sait que l'uranium n'est pas une ressource qu'on peut utiliser à loisir. Sur la question des emplois, parce que ça c'est une question qu'on pose souvent. Bon, si on mettait en place l'EPR par exemple, on aurait entre 250 et 300 emplois créés. Il faut se rendre compte déjà de quoi on parle. Hein. 250 et 300 emplois créés, c'est pas à la hauteur de la crise du chômage aujourd'hui. Hein. Et puis, on le voit, l'ADEME notamment avait fait des études qui montraient que c'était possible d'aller au 100% renouvelable d'ici 2050, comme nous l'avons écrit dans notre programme, et qui estimait un gain net d'emploi de 830 000 à 900 000 emplois. Donc, même De Rugy, vous vous rendez compte, De Rugy à l'époque, il faudrait lui redire ça, De Rugy avait estimé que les énergies renouvelables créaient 6 fois plus d'emplois que ce qu'on aurait créé dans le nucléaire. Et de toute façon, nous aurons besoin des travailleurs qualifiés pour le démantèlement des centrales, qui est une durée quand même assez longue, jusqu'à 25 ans à peu près. Et donc, nous aurons besoin de ces emplois-là. Donc, on est sur quelque chose où c'est le mythe vous allez mettre des gens au chômage si vous arrêtez le nucléaire. Non, on va créer de l'emploi. Et c'est comme ça aussi qu'on va résoudre la crise du chômage, parce qu'on sait très bien que dans le moment actuel où Macron appelle les chômeurs les multirécidivistes du refus, donc utilise un terme pénal pour faire comme si les chômeurs étaient des délinquants, on sait très bien que le problème, c'est pas de poursuivre les chômeurs, ce qui est complètement absurde et complètement indigne d'ailleurs pour les gens. Le problème, c'est
comment est-ce qu'on s'attaque au chômage. Et eux, ce qu'ils font avec leurs ordonnances travail, c'est exactement le contraire. Parce qu'aujourd'hui, on a un emploi non pourvu pour 285 chômeurs. On sait que 99% des offres d'emploi sont pourvues. Donc le problème, c'est pas est-ce qu'une personne cherche bien ou pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi créé en France aujourd'hui. Et parce qu'on ne met pas de volonté politique, on pense qu'il faut juste libérer, flexibiliser, comme on fait depuis les années 70 avec l'intérim, et qui n'a jamais fonctionné. Et donc Macron continue sur cette idée absolument absurde de penser que c'est ça qui va créer de l'emploi. Donc c'est nous, dans notre programme, dans la France Insoumise, on pense que c'est la transition écologique qui justement va créer cet emploi. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le nucléaire? Est-ce que je vous redis des choses? Et évidemment, et du coup ça c'est lié aussi à la campagne qu'on est en train de faire, il y a une question de transparence et de choix politique. Nous on pense qu'aujourd'hui c'est au peuple français de décider quelle trajectoire politique on prend, et que sur le nucléaire ce débat n'a jamais existé et qu'à un moment il faut poser ça sur la table pour qu'on puisse avoir une discussion sereine, une discussion avec des éléments, et qu'on arrête d'être dans cette opacité totale. Vous lirez Gaspard Dalens, qui est un des animateurs de la lutte de Bure, a notamment fait un livre où il raconte l'arrosage qui est fait des mairies autour de Bure pour qu'ils acceptent le projet. Il vous raconte comment les lampadaires et tout le mobilier urbain sont flambant neufs parce qu'on arrose systématiquement les gens. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est dans une opacité complète. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose là-dessus? Nous, on dit que la transition écologique et la transition énergétique, elle est absolument indispensable et elle peut se faire, c'est prouvé par plein de scénarios, notamment le scénario Négawatt qui a expliqué méthodiquement comment on pouvait aller vers cette sortie du nucléaire qui évidemment ne se fera pas du jour au lendemain, ne se fera pas sans défi scientifique de savoir comment on démantèle exactement, comment on massifie l'utilisation d'énergie renouvelable, comment on investit dans la recherche, parce que ça c'est extrêmement important, parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles nous sommes en retard aussi sur la recherche. C'est pour ça que nous voulons une planification qui permet de regarder et de planifier cette sortie du nucléaire, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Et surtout, cette transition énergétique, elle se fera aussi par une baisse, aussi une sobriété énergétique, parce que la question n'est pas juste celle de la production, mais aussi de la consommation d'énergie. Et la baisse de la consommation d'énergie, ça ne veut pas dire le retour à la bougie. Et sur ça, Jean-Marie Brome, qui est un spécialiste anti-nucléaire, nous a donné un truc qui est assez intéressant. Attendez, je vais vous le regarder, je vais vous le retrouver. Et après, j'arrête là. Je vous laisse la parole. Voilà. Je sais plus où je me l'ai mis. Bref, il explique notamment que au moment des crises pétrolières, je vous le retrouve plus, donc c'est pas grave. Au moment des crises pétrolières, il y a notamment eu des changements de consommation qui ont été obligatoires au niveau de la France. Et il explique que, par exemple, nos voitures aujourd'hui consomment 30% moins de pétrole, enfin d'essence, que ce qu'elles consommaient à l'époque. Et pourtant, on n'est pas sur une baisse de confort quand on voit les voitures. Alors après, rester sur les voitures, on est la mobilité individuelle, les autres termes de mobilité, ça c'est des choses dont on peut reparler longtemps. Mais pour dire qu'un changement politique de société, ça ne veut pas forcément dire vivre moins bien. Et donc tout le mythe autour du retour de la bougie, d'ailleurs qui pourrait s'appliquer à tous les pays de l'Union européenne qui n'ont pas de nucléaire, ou les pays dans le monde qui n'ont pas de nucléaire et qui ne sont pas non plus à la bougie, ça c'est quelque chose qu'il va falloir aussi déconstruire petit à petit. Et puis évidemment, cette transition énergétique et cette transition écologique, c'est une nécessité absolue aujourd'hui si on veut que d'ici 2100 à peu près, on puisse avoir encore
une terre qui soit habitable et où, du coup, juste, c'est une question de survie de l'espèce humaine. Et donc, le tournant, il doit être pris absolument maintenant, si on ne veut pas que ça soit trop tard et qu'on invente l'avenir heureux qu'on veut inventer tous ensemble. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour. Charles Girard a parlé d'une campagne, elle a décrit la campagne. On entend aussi. Oui, Charlotte Girard a parlé de sa campagne, a décrit sa campagne, elle a fait une conférence de presse, etc. J'aimerais bien savoir quelle est cette campagne, en fait, que vous la décriviez, vous aussi. Parce que j'aurais quelques précisions à vous demander, mais j'aimerais... On prend plusieurs questions et je pense que Mathilde, ça te va comme on prend 3-4 questions et tu réponds. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, une simple question, savoir s'il y a des avancées ou des recherches en ce moment au niveau technologique pour le retraitement des déchets. Savoir si par des nouvelles technologies on peut réussir à faire baisser leur radioactivité, s'il y a des recherches qui sont en cours. Voilà. Oui, comparer le Japon et la France est extrêmement contre-productif. Parce que là, au Japon, comme vous savez, il y a énormément de tremblements de terre, des tsunamis. Donc ça ne convainc pas les gens, ça, du tout. Ils disent non, en France, on n'a pas de tremblements de terre de cette ampleur, on n'a pas de tsunami. Alors que ce n'est pas la peine d'argumenter là-dessus. Je trouve qu'il y a bien d'autres arguments. Ce n'est pas la peine. Contre-productif, à mon avis. Oui, Mathilde Panot, vous nous avez dit à juste titre qu'il faut, enfin moi je suis convaincue, mais bon, sortir du nucléaire de façon urgente. Mais un des arguments qui est tenu par les personnes, et il est censé, c'est oui, mais justement il faut de la recherche pour évacuer les déchets, il faut savoir comment on va faire cette transition, ça prend du temps. Pourquoi vous dites urgence, c'est pas possible, comment voulez-vous mettre ça en place? Et raisonnablement, pour que vous soyez crédible, dites-nous comment vous faites. Alors, je vais commencer par la dernière parce que, et puis après je vais remonter. Sur le fait qu'on dise que ça soit une urgence de sortir du nucléaire, c'est pas parce qu'on est des irresponsables, non, des gens qui sont pas crédibles et qui disent du jour au lendemain on peut se passer de ces 58 réacteurs nucléaires, dont je rappelle quand même qu'à certains moments, notamment pendant l'hiver, il est arrivé que 23 de certains réacteurs soient mis en arrêt pour différents dysfonctionnements. Donc, mais c'est pas une question de ça. Et c'est la même chose sur la réponse qu'on a faite au recul du lot sur les 50%. C'est pas une question de dire on va faire ça immédiatement si on était au pouvoir, parce que nous sommes des gens responsables et on est conscients de ça. La question, c'est la question de la décision politique. C'est-à-dire que quand Hulot dit finalement c'est pas possible de faire les 50% d'avoir 50% de nucléaire en 2025 on n'y arrivera pas pour des raisons écologiques, etc. C'est pas tellement la question qui dit ça, même si c'est un vrai problème, mais c'est la question qui dit ça sans rien annoncer derrière. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois qu'on lui demande quelle centrale allez-vous fermer, par où vous allez commencer. Ils sont incapables de nous donner un plan de route. Si nous avions un gouvernement qui nous dit, nous
On va faire tout ce qu'on peut. Peut-être qu'on n'arrivera pas aux 50% en 2025. On va faire tout ce qu'on peut pour, en tout cas, prévoir la fermeture de centrales, investir dans la recherche, alors qu'ils sont en train de couper les crédits, investir dans la recherche pour qu'il puisse y avoir des énergies marines qui se développent, etc., etc. Là, on dirait OK. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'a dit Nicolas Hulot ? Ce qui va se passer, c'est exactement ça. C'est que quand il y aura quelqu'un d'autre, et j'espère que ça sera nous, mais que, s'il y a quelqu'un d'autre que lui après, ou même dans 2-3 ans lui-même après, dira non mais finalement on s'est fixé un objectif, mais c'est impossible parce qu'ils n'ont pas assez investi avant, parce que... et donc on se retrouve constamment en face du mur. Donc la question, c'est une question, nous quand on dit c'est une urgence de sortir du nucléaire, l'urgence c'est de prendre la décision politique, nous allons sortir du nucléaire, et à partir de là, à partir de là, on crée les formations qu'il faut. Mais c'est un grand défi, hein, je suis d'accord. Hein, mais on crée les formations qu'il faut pour que les gens soient formés, parce qu'il va falloir énormément de gens formés sur cette question. À partir de là, eh ben, on crée une planification de quelles centrales vont être fermées. À partir de là, on regarde selon les territoires quelles peuvent être les énergies les plus adaptées, parce que, au contraire de l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables seront des énergies beaucoup plus décentralisées. On ne va pas du tout être sur la même genre de gestion aussi. Donc, à partir de là, on planifie tout ça. Mais si dès le début, on abandonne un objectif sans dire ce qu'on fait, bah, là, on se retrouve juste toujours dans l'éternel. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, et puis c'est trop compliqué. Parce que... Donc c'est ça qu'on veut dire sur l'urgence, en fait. L'urgence, c'est de prendre le tournant. Après le tournant, eh ben, la France, elle a assez de gens instruits, formés, au chômage, qui n'attendent que ça, qu'on les forme et qu'ils puissent, derrière, aller travailler sur des choses qui nous donnent un avenir bien plus encourageant. Parce que, en fait... Moi, au départ, je viens de l'association de lutte contre la pauvreté. Donc, au départ, c'est pas le sujet par lequel je suis rentrée dans le militantisme. Moi, je suis rentrée dans le militantisme au départ sur le refus de la misère. Voilà. Moi, c'est et en fait, c'est fou parce que quand j'ai vraiment commencé à travailler sur l'écologie, qui est un sujet par ailleurs passionnant, il y a quelque chose presque de déprimant là-dedans, parce que vous regardez tous les voyants sont en rouge, en train de s'allumer, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce sujet de la transition écologique, c'est que la transition écologique, c'est ça qui va donner du sens aussi à notre projet. La transition écologique, c'est ça qui donne un cap, un sens, et c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi, et de cette manière-là. Et je pense que, justement, dans la manière dont on résout la crise sociale dont on est aujourd'hui, eh ben, la transition écologique, c'est quelque chose d'absolument primordial sur cette question. Ça, c'était sur l'urgence. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Super. Ok. Mais je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que les gens sont pas d'accord. Ouais. Je note. Ensuite, sur mauvais exemple de prendre exemple sur le Japon, pas de tsunami, etc. Oui et non. Oui, il ne faut pas tout baser sur effectivement dire que la France a les mêmes conditions que le Japon. Par contre, dire qu'un accident nucléaire peut arriver partout et que d'ailleurs différents acteurs autour du nucléaire s'y préparent parce qu'il y a des risques réels, et à la fois du fait de l'état des centrales qui sont en train de vieillir de plus en plus. Je rappelle que il y aura les trois quarts des nucléaires qui d'ici 2027 auront plus de 40 ans, qui est normalement la durée de vie qui avait été fixée, enfin 30-40 ans. Donc on arrive à un moment quand même qui est extrêmement critique sur cette question-là, plus les questions de sécurité que je posais tout à l'heure. Donc, oui, on n'a pas les mêmes conditions climatiques, et en même temps, on se retrouve déjà avec des endroits où, par exemple, la sécheresse d'une rivière peut mettre en danger le refroidissement de centrales. On se retrouve sur des choses où des conjonctions de facteurs qui normalement ne devraient pas arriver peuvent quand même se conjuguer ensemble et arriver à faire en sorte que on ait des accidents nucléaires. Et en fait, c'est pas tellement sur le fait de dire que de comparer avec le Japon, mais je pense que dans notre campagne pour le nucléaire, c'est intéressant d'avoir l'expérience aussi d'un pays qui a vécu et qui a dû gérer une crise politique absolument majeure et environnementale majeure qui n'est absolument pas terminée,
Et donc voilà, donc je suis d'accord sur le fait que c'est pas les mêmes situations. Par contre, dire que cet accident nucléaire il peut arriver, ce qu'on souhaite absolument, enfin personne ne souhaite ça ici. Je pense que c'est important de dire que le nucléaire aujourd'hui nous met en danger sur cette question-là. Sur les avancées technologiques, sur les déchets, j'avoue que je ne suis pas extrêmement au point, donc c'est une question qu'il va falloir que je creuse. Mais dans le cadre de la campagne, Jean-Marie Braun est en train de nous faire une chose formidable, sur laquelle tu trouveras peut-être des réponses aussi, qu'il a appelé des fiches de cuisine, donc qui va être diffusée dans les réseaux de la France Insoumise, et qui en fait reprennent, au moment de la convention de la France Insoumise, les Insoumis avaient planché sur... les arguments qu'ils trouvaient faciles à utiliser pour la sortie du nucléaire, les arguments qu'ils trouvaient difficiles à utiliser pour la sortie du nucléaire, et puis les arguments qu'on mettait en face qui étaient faciles à contrer et difficiles à contrer. Et donc il a repris la plupart des choses qui avaient été proposées on a fait une synthèse de ce travail-là, et pour chaque argument, il y a 22 fiches pour l'instant, il a mis un argumentaire pour aider justement les militants en général à répondre aux problèmes qui sont posés de manière fréquente. Donc il y aura peut-être ça dedans. Après, il faut toujours faire extrêmement attention sur la technologie qui sauverait, parce que c'est aussi quelque chose qu'on utilise énormément pour dire que finalement le réchauffement climatique ça va pas être si grave que ça parce qu'on va trouver des solutions, il y en a plein du luberlu de partout qui nous propose des solutions miracles qui vont tout sauver. Il faut toujours faire attention à ça, dans le sens que la première chose à regarder c'est pas tellement la solution technologique, est-ce qu'elle va nous sauver de ça, mais dans quelle situation politique on est. Par contre, effectivement, je pense que aujourd'hui personne ne sait dire exactement ce qu'il faut faire avec ces déchets. Donc il y a évidemment quelque chose de la recherche aussi à faire. En attendant, nous, à la France Insoumise, on s'est positionné contre le projet ABURE, contre le projet CIGEO, et pour un stockage en surface, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est la solution la moins dangereuse qui existe et qui permet de continuer à surveiller les déchets. Mais j'avoue que plus que ça, de ce qu'on pourrait en faire, c'est une question, mais donc il faut que je creuse ça. Sur la campagne, effectivement, Charlotte Girard elle a commencé à la présenter. Donc, l'idée de la campagne, c'est d'avoir un mois et demi de campagne. Donc ça, il va y avoir bientôt du matériel qui va arriver. Donc il y aura du matériel d'affiches, tracts et autocollants. Il va y avoir les fiches argumentaires, donc des aides argumentaires qui vont être données. Et puis l'idée, c'est d'avoir des réunions publiques comme on est en train de le faire maintenant, des réunions, on discute autour du nucléaire, en tout cas pour porter le débat dans le pays, un peu partout dans le pays. Et ensuite, à partir du 11 au 18 mars, l'idée c'est d'avoir à la fois la possibilité de voter sur Internet, et puis de voter en point physique dans la rue, dans des endroits passants, en utilisant les listes électorales pour que les personnes ne puissent pas voter deux fois. Donc ça, il y a des volontaires de la France Insoumise incroyables qui sont en train de récupérer toutes les listes électorales de toutes les préfectures pour faire en sorte qu'on puisse organiser cette votation. Et l'idée de la votation, c'est que le dimanche 18, on puisse, donc les gens pourront voter oui ou non pour la sortie du nucléaire. Et c'est important qu'ils puissent voter non aussi et qu'ils puissent dire non, je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est un débat qu'on pose dans la société, c'est pas une injonction. Et qu'à partir de là, on ait ce travail qui soit fait en lien avec des associations avec qui on est en contact. Il y aura des auditions qui vont être menées aussi, qui du coup alimenteront aussi la campagne. Et que ce travail-là, il permette de mettre ce sujet dans la société, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet... on prend un peu un sujet... pas à froid, mais c'est pas le sujet le plus criant. Le sujet le plus criant aujourd'hui, c'est justement ces inégalités de richesse. En même temps, si ce n'est pas la France Insoumise qui porte ce débat-là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun mouvement politique qui se risquerait à le faire. Et je pense que c'est un choix important que de mener ce débat-là et de pousser des choses dans la société, parce que c'est le rôle du mouvement politique quand même avant tout, de continuer à porter des idées dans la société et à faire avancer des choses, parce que nous on pense que les gens ils doivent être convaincus des idées qu'on propose, et que le travail de conviction c'est la première des choses à faire pour continuer à convaincre et pour gagner la prochaine fois. Alors,
les partenaires institutionnels que vous avez choisis ou que vous auditionnerez? Parce que ça, c'est important, il faut quand même, sur le plan technique, sur le plan... Il faut quand même qu'on soit solide. Madame, il faut parler dans le micro. Oui. Vous passez derrière, il y a deux personnes qui veulent... Oui, juste, est-ce que lors de la niche parlementaire, il va y avoir une proposition par rapport à la sortie du nucléaire, hein? Et deuxièmement, je ne sais pas, hein, moi j'entends dire que sur les éoliennes, une éolienne pour être construite, mise en place, etc., dépenserait je ne sais combien d'énergie par rapport à ce qu'elle peut ensuite fournir, voilà. Donc, après, les éoliennes en mer, est-ce que ça ne détruit pas la faune aquatique, etc.? Bon, il y a quand même, sur les différentes possibilités d'énergie renouvelable, une réflexion à avoir, je crois. Tout ne peut pas être mis sur le marché comme ça. Oui, bonsoir. Louis, je suis militant au POI dans le 13e. Merci, Rafik, pour l'invitation, je tiens à le dire. Et à toi, vous tous, hein, d'ailleurs, mais vu que c'est lui qui a envoyé le mail, c'est toujours un plaisir d'être ici. Non, je rejoins un petit peu la réflexion, peut-être sur le... Parce que c'est quand même un débat qui fait peur. Il y a eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl, et le nucléaire, c'est quelque chose aussi qui procède de peur, de cataclysme, etc. La comparaison avec Fukushima, elle est plus ou moins bonne quand même, mais pas dans le sens où je le dirais, moi pas comme catastrophe naturelle, mais comme situation politique et économique dans laquelle a eu lieu cet incident, vu qu'on sait aujourd'hui que le choix de la société à l'époque Exxon a été d'attendre le dernier moment avant de couler la centrale pour pas tout perdre. Donc c'était un choix de politique économique, d'un capitaliste privé qui disait « on peut toujours attendre, et au dernier moment, on verra ». C'est là où la catastrophe écologique rejoint la catastrophe, j'ai envie de dire, de société. De fait, aujourd'hui, les pilotages qui sont celles de l'ASL sont plus mesurés. Il y a une forme d'indépendance, quand même. Pour preuve, ils ont été obligés de fermer deux centrales, j'ai oublié le nom. Il y a deux centrales qui ont été obligées de fermer pendant un certain nombre de temps, pour un coût de millions d'euros par jour, ça c'est sûr, parce que ça coûte un pognon monstrueux, parce qu'ils n'avaient pas fait des travaux qui représentent un juste recimenté. C'est-à-dire que pour un million de travaux qu'ils avaient investis et qu'ils n'ont pas fait, ils ont au final perdu plusieurs dizaines de millions. J'aime pas parler avec les micros, pas parler. De ce point de vue-là, il faut le mettre en rapport avec la financiarisation d'EDF, qui est un... Pour le coup, pas une question idéologique, mais une question concrète. C'est que depuis plusieurs gouvernements, on va dire, et avec lesquels je pense le mouvement de la France Insoumise et les millions qu'on a voté, on voulait rompre, de privatisation, de démantèlement de ce qui avait été constitué, de propriété nationale, de contrôle, de recherche entre l'ANS, le CEA, toutes les instances qui sont chargées de piloter la recherche et la production d'énergie en France, tout cela étant démantelé, on arrive dans une situation de sous-traitance, comme tu l'as dit, je suis entièrement d'accord, avec des entreprises qui ne sont pas avec des salariés qui ont un statut, des droits, des organisations syndicales pour les défendre, et donc on est à l'abri de rien. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être très mesuré, y compris sur les chiffres. Moi, là où j'ai une petite nuance, oui, c'est vrai, l'Allemagne, ils ont fermé le nucléaire. Ils en achètent encore beaucoup, enfin, ils ont fermé une partie. Ils en achètent encore beaucoup, mais ils ont relancé le charbon. Alors, je suis pas pour Hulot, hein. Que ce soit clair entre nous, on va bien se comprendre. C'est pas ça que je dis. Ils surfent là-dessus pour rien faire, on est d'accord. Mais ils ont relancé le charbon. Et là, il y a une urgence écologique immédiate. C'est les mines polonaises. Parce que le charbon, il est tapé en Pologne, il est échappé dans les pays de l'Est. Et là, c'est des mômes qui meurent tous les jours. Ils sont comme des rats à aller chercher le charbon dans les mines. Hein. C'est une catastrophe écologique permanente. Donc... La façon dont tu le prends, Mathilde, moi je trouve ça très intéressant. C'est un peu la façon que la CGT a de l'apprendre, la Fédération Nationale de la Mine et Énergie, qui n'est pas sur un pro-nucléaire, anti-nucléaire, sur quel développement et quel pilotage de mix d'énergie. C'est la position, moi je trouve, qui peut être défendue, raisonnable, parce que ce débat il passionne beaucoup et il pourrait être mal compris à un moment donné. Dernier exemple, c'est les fermetures de centrales aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les centrales, ils ont mis trois pelés et deux tondus dedans qui sont des ingénieurs qui surveillent le fait que les déchets ils sont là et puis ils bougent pas. Du point de vue écologique, et de, c'est pas valable non plus. Donc moi c'est pas du tout pour polémiquer, mais c'est pour arriver à convaincre, pour arriver à quelque chose de constructif. Je pense qu'on peut pas se couper d'un certain nombre, notamment bon, mes camarades qui sont des mines énergie, qui sont aux prises avec ce genre de problématiques qui sont complexes. Et je trouvais que le rapport mettait en valeur tout ça. C'est sur la campagne, voilà, arriver à quelque chose de mesuré, de pas balayer d'un revers de main le nucléaire d'un point de vue idéologique, je dirais. Je sais pas, on va commencer tout au fond comme ça. Et on va privilégier le dernier de la classe. Bonsoir. Moi, c'est juste une question. Je ne sais pas si elle rejoint la première question de la personne sur les partenaires institutionnels. J'ai pas très bien compris en fait les liens qu'il pouvait y avoir. Moi, ma question elle est plus sur les associations. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais avec lesquelles effectivement la France Insoumise est en lien. Pourquoi? Pour la campagne, la votation. Et moi, je pense notamment à Réseau Sortir du Nucléaire, parce que c'est quand même leur point principal. Donc, quels sont les liens? Merci. Moi, je trouve qu'on a parlé évidemment d'arrêter le nucléaire, mais je pense que les gens, quand on parle avec eux, c'est difficile de penser qu'on peut trouver autre chose, des alternatives, et vous n'en avez pas pour l'instant parlé. Donc, pas de charbon, ça d'abord, on n'en a plus vraiment, puis c'est pas bien. Alors, les éoliennes, je ne sais pas quoi, la biomasse, moi je ne connais pas bien, mais souvent on nous dit ça ne va pas faire assez. Voilà, donc je voudrais des détails. Alors, il y aura des fiches, mais là, ce soir, on peut en parler un petit peu. Donc une question à la commission à l'Assemblée nationale de développement durable. Est-ce qu'il est question du nucléaire? Je crois savoir qu'en France, l'énergie nucléaire civile est très fortement liée avec le nucléaire militaire. Je crois qu'il y a des... Voilà, il y a... Laquelle commission t'as dit? Celle où tu es. Où tu... Voilà. Voilà, parce que je me souviens du Grenelle de l'environnement qui avait été lancé en 2007, où on avait dit, oui, d'accord, on va discuter de tout, mais pas d'énergie nucléaire. Voilà, article 1, on sort... Le dernier nucléaire du débat. Moi, je voudrais juste faire la remarque que, en fait, si on pose juste une question sur le nucléaire, bon, il y aura un certain nombre de gens qui vont répondre. Si on ne donne pas le délai approximatif, c'est un problème. Mais surtout, si on pouvait proposer, parce qu'en fait, pourquoi on aura des difficultés, je pense, à faire en France, c'est qu'il faut investir dans, effectivement, d'autres... et que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de 15% à 50% si vite. Donc en fait, je pense que le pouvoir, enfin, il pourrait peut-être avoir des plans d'investissement plutôt, et qu'on nous demande est-ce que vous êtes prêts à investir là, parce qu'effectivement, ça mettra du temps pour pouvoir se passer du nucléaire. Voilà. Et sinon, je voudrais juste rectifier un petit point qui a été dit, enfin il me semble, en tout cas en toute modestie, c'est qu'en Allemagne, l'augmentation du charbon suite à la décision en quelques années d'arrêter un certain nombre de... n'a été valable que durant 2 ans, et si vous regardez vraiment sur 5 ans ou un peu plus, et ils ont baissé en fait le nombre de centrales au charbon sur 5 ans. Voilà. Donc c'était juste une petite remarque, on peut le faire. Moi j'avais une remarque sur le fait que tu as dit effectivement que ça coûtait pas cher, mais on pourrait chipoter effectivement sur les vrais chiffres du coût de l'énergie nucléaire, et notamment par rapport au fait que la France-Afrique nous aide bien, et qu'en fait, si c'est vraiment pas cher, c'est aussi parce qu'on pille le Niger depuis... Mais je ne sais pas dans quelle proportion, je ne sais pas si tu as des chiffres par rapport à ça, mais dans quelle proportion ça participe au fait que c'est éventuellement pas trop cher. Et puis la deuxième question, c'est effectivement... Quels sont les pays qui donc se désengagent du nucléaire? À ma connaissance, il y a l'Allemagne, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres pays qui sont éventuellement à suivre pour qu'on arrive à se décider, comme tu l'as très bien expliqué. En fait, on n'arrive pas à démarrer parce que quelque part, on ne sait pas faire. Mais est-ce qu'il y a quand même des procédures autres que Tchernobyl et Fukushima pour arrêter une centrale nucléaire? Ce sera rapide.
Tu as parlé du documentaire d'Arte sur le nucléaire. Bon, je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir vu, qui est assez inquiétant. D'ailleurs, je voulais savoir si justement ça a eu un petit peu des retentissements à l'Assemblée nationale, notamment auprès des députés, je pense notamment aux députés de La République En Marche, savoir si ça a ouvert les yeux à certains ou pas du tout. Et je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué par rapport aux éoliennes aquatiques. C'est un sujet que je connais un petit peu, donc je peux peut-être l'aborder. Il y a deux types d'éoliennes. Il y a les éoliennes qui sont des éoliennes classiques à la surface de l'eau, et en fait qui du coup fonctionnent exactement comme les éoliennes terrestres, et les hydroliennes qui elles se placent sous l'eau et qui en fait utilisent le courant pour créer de l'énergie. Et a priori, non seulement c'est pas anti-écologique, mais ce serait même plutôt favorable aux reproductions des systèmes écologiques et des poissons à ces endroits-là, et notamment du corail. Donc voilà, moi c'était mes questions. Et si, juste, tu parlais des petits chiffres qui sont toujours intéressants à utiliser. Aujourd'hui, il y a un gros projet d'EDF qui se passe à Hinkley Point en Angleterre, où ils font deux EPR nouvelle génération, justement c'est au sud-ouest de l'Angleterre, avec le gouvernement britannique. Le coût de cette opération, c'est entre 15 et 17 milliards d'euros, c'est-à-dire le budget que consacre le gouvernement français au développement durable en France. Donc pour un projet du nucléaire en Angleterre, c'est le budget total de la France pour le développement durable sur une année. Juste pour l'Angleterre, le Guardian a fait un excellent article la semaine dernière. Il disait que le coût de ce projet, dont on ne sait toujours pas s'il sera opérationnel dans 20 ou 30 ans, quand il sera fini, Hinkley Point C, le coût est pour le moment le double des Jeux Olympiques de Londres. Alors, je vais essayer de répondre aux questions, sachant qu'il y a eu aussi des éléments apportés par les uns et par les autres, et c'est très bien comme ça. Tu as tout à fait raison de parler d'Hinkley Point, parce qu'on voit bien justement vers quelle gabegie financière on va aussi, parce que c'est vraiment un projet qui a complètement dérapé financièrement. Et d'ailleurs, l'EPR actuel en France aussi a déjà eu un dépassement au départ c'était prévu à 3 milliards, on arrive plutôt vers 9-10 milliards, donc ça a été déjà multiplié par 3. Donc on voit bien que sur cette question du coût, on est sur un dérapage complet. Et en fait, sur la question du prix, c'est pas tellement une question de chipoter, c'est qu'il y a vraiment des études qui montrent aujourd'hui que les énergies renouvelables, sont en termes de prix, concrètement sur la facture des gens, seraient moins chères. Et aujourd'hui, en fait, ça tient le nucléaire parce que, concrètement, les contribuables casquent. Quand on a sorti 4 milliards d'euros l'année dernière, c'est nous qui avons payé, en fait. Et probablement, il va falloir le refaire plusieurs fois parce que aujourd'hui, le nucléaire n'est plus une énergie rentable. C'est ça aussi qu'il faut poser sur la table. C'est que, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, pour un mix, nous, on se positionne clairement pour la sortie du nucléaire. Et on assume de faire cette campagne-là, tout en sachant, c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans la planification des choses et dans la manière dont il va falloir programmer ça, on sait déjà qu'il va falloir avancer en planifiant rigoureusement les choses. Quelle centrale va fermer à quel moment, comment est-ce qu'on développe de manière rapide la formation et la recherche pour pouvoir avancer rapidement sur les énergies renouvelables. Donc on sait qu'il y a toute une période de transition qu'il va y avoir. Mais nous, on se positionne clairement contre ça parce qu'on voit que c'est une gabegie financière. Et puis, on est sur quelque chose où il faut prendre ce tournant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, si on le fait à moitié en disant « Oui, on en a encore un peu besoin, donc on va aller vers un mix », si on ne se fixe pas un objectif ambitieux sur cette question, s'il n'y a pas une vraie volonté politique de sortir de cette énergie, on n'arrivera pas à développer les énergies renouvelables. Parce que c'est exactement ce que je disais sur les 100 milliards qu'on va investir dans les centrales nucléaires, c'est 100 milliards qu'on ne met pas dans les énergies renouvelables. Donc tant qu'on n'aura pas cette décision politique avec une volonté politique ferme, précise, planifiée, organisée, en fait, on va continuer à injecter de l'argent parce que on va être obligé d'injecter de l'argent juste pour garantir le minimum de la sécurité, mais le minimum, je parle. Hein. Et du coup, c'est autant d'argent qu'on n'investira pas dans le reste. En fait, rester dans le nucléaire aujourd'hui, même dans une idée d'un mix, rester dans le nucléaire, ça implique
qu'on hypothèque le fait qu'on arrive un jour à avoir 100% d'énergie renouvelable. C'est assuré. Donc ça, c'était un... Voilà. Ce que tu disais sur le Niger, etc., effectivement, donc on sait que l'uranium est importé notamment du Niger. Il y a aussi le Kazakhstan et d'autres pays. Les données ne sont pas publiques pour savoir d'où est-ce qu'on importe l'uranium. On estime qu'il y aurait 30% de l'uranium qui viendrait du Niger, donc ce qui crée effectivement les problèmes que tu pensais. Et sur les pays qui se désengagent du nucléaire, bon, il y en a plusieurs, faudrait que je revoie la liste exactement. En tout cas, quelque chose qui est intéressant dans les pays en Europe actuellement, il y a 3 pays qui continuent à avoir des plans pour créer des programmes de construction de centrales. Bon, c'est la France, la Finlande et la Slovaquie. Donc on est sur quelque chose vraiment où on est complètement à la masse par rapport à ce que fait le reste des pays autour de nous. Mais je te retrouverai la liste exacte, je te l'enverrai. Ensuite, sur partenaires institutionnels, associations avec qui on va travailler pour la votation, ça c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Évidemment, on a contacté le réseau Sortir du Nucléaire qui ne va pas forcément en soi venir dans la campagne parce que c'est compliqué pour une organisation de se coller à un mouvement politique ou un parti politique. Et ça, on comprend bien. Par contre, il y a déjà des administrateurs du réseau Sortir du Nucléaire qui y participent à titre individuel, enfin, en représentant du coup quand même dans leur fonction, mais qui du coup on n'a pas le réseau Sortir du Nucléaire, mais évidemment on est très en lien avec eux sur ce qui va se passer le 11 mars lors des manifestations qui auront lieu à République pour l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Enfin voilà, on travaille avec eux, mais ils ne seront pas en soi co-organisateurs de la campagne, et ça, on comprend ça. Donc on a contacté plusieurs associations, personnalités, syndicats, partis politiques, et là, on a des premières réunions qui vont avoir lieu, et donc on va annoncer exactement qui co-organisera ça. En tout cas, ça ne sera pas la France Insoumise toute seule, et c'est exactement ce qu'on voulait, parce que l'idée de la campagne, sur la votation en tout cas, c'est vraiment de dire que on veut poser ce débat démocratique sur le nucléaire, et donc on ne cherche pas forcément à ce que ce soit la France Insoumise qui fasse ça. Nous, on participe à créer ça et on aide à organiser ça. Mais, donc on est dans ce travail-là de discuter avec plein de gens et de voir comment ça évolue. En tout cas, il y aura évidemment des gens sérieux qui sont reconnus et dans la communauté scientifique, mais pas que, parce que je pense que c'est important. Dans notre campagne, une des choses qui est importante, c'est aussi de détechniser cette question. C'est-à-dire que le nucléaire ne peut pas être quelque chose seulement qui concerne les spécialistes, même si c'est extrêmement important. Et évidemment, il y aura des spécialistes qui expliqueront des choses qui vont beaucoup aider dans le débat et dans la campagne qu'on mène. Mais il ne faut pas que ça soit qu'une question de spécialistes, parce que c'est une question qui concerne notre avenir énergétique aussi, et donc sur lequel chacun doit pouvoir se prononcer sur cette question. Sur la niche parlementaire, alors il n'y aura rien sur le nucléaire parce que, parce qu'il faut choisir des sujets, ce qui est compliqué. Donc la niche parlementaire, c'est une chose, juste pour que tout le monde soit au courant, c'est une journée que chaque groupe parlementaire a à l'Assemblée, une fois par session, donc une fois par an, qui permet que ça soit nous, enfin le groupe de la France Insoumise, là pour le coup, qui fixions l'ordre du jour. Donc c'est nous qui mettons à l'ordre du jour nos propositions de loi, ce qui n'est pas le cas le reste de l'année. Donc on n'a pas mis le nucléaire cette fois-ci parce qu'il y a cette campagne qui se mène, donc on attend qu'elle continue, donc on verra ça une autre fois. Et donc dans cette niche, nous, notre niche, elle est le 1er février. Alors je vais essayer de m'en souvenir de tout. Donc on a une proposition de référendum sur le CETA, en disant on veut poser cette question-là parce que sur le CETA, le traité de libre-échange est appliqué de manière provisoire depuis septembre ou octobre sans vote du Parlement français, ce qui est quand même incroyable. Et le vote du Parlement français interviendra seulement en automne 2018. Donc pratiquement toutes les dispositions s'appliquent déjà, sauf les tribunaux d'arbitrage. Tribunaux d'arbitrage qui sont... Bon, je fais une petite parenthèse dessus. Hein. Tribunaux d'arbitrage qui permettront à des multinationales d'attaquer des États sur des décisions qui sont prises de manière souveraine.
Alors ça va accentuer ça. On a déjà vu il y a déjà eu plusieurs cas avant, notamment un que je trouve extrêmement parlant, qui est le cas de l'Égypte, qui suite à ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y avait eu une augmentation du salaire minimum qui était passé de 41 à 72 euros par mois, enfin l'équivalent en euros. Et Veolia avait attaqué l'Égypte en disant que ça, en fait, attaquait du coup ses conditions de profit, en fait, c'est exactement ça. Et donc avait attaqué l'Égypte sur cette décision-là. Donc en fait, c'est une attaque contre la souveraineté des peuples qui est juste incroyable. Donc pour l'instant, ça ne s'applique pas, mais tout le reste s'applique. Avec une destruction d'emplois au niveau de l'Europe qui est estimée à 200 000 emplois pour l'Union européenne et 300 000 emplois du côté canadien. Donc ça va faire souffrir des deux côtés, augmenter les échanges, donc augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on a proposé un référendum sur cette question. Ensuite, on a une proposition de loi qui propose de reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. On a une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité. On en a une sur... Aide-moi. Une sur le droit à l'eau, etc. Exactement. Une sur le droit à l'eau pour garantir, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas dans la Constitution, pour garantir un droit à l'eau et avoir une gestion publique de l'eau. Et la dernière... Allez, et le dernier, c'est sur le contrôle aux faciès pour faire une expérimentation sur le récépissé qui ne réglera pas tout, on le sait bien, mais qui permet déjà de dénombrer le nombre de contrôles aux faciès qu'il a, ce qu'on est absolument impossible de démontrer aujourd'hui. Et puis surtout aux personnes, parce qu'aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui se fait contrôler dans la rue, qui se fait embarquer, comme on en a vu, notamment... nous racontait un jeune qui passait son bac et qui dit au flic « Non mais s'il vous plaît pas aujourd'hui, demain je passe mon bac », qui se fait embarquer et qui relâche après l'heure de son début d'épreuve, donc il n'a pas pu passer son bac, et qui n'a aucune preuve du fait qu'il avait été arrêté. Donc voilà, donc c'est les cinq propositions qu'on fait et qu'on portera du coup le 1er février à l'Assemblée. Et évidemment, on mène quand même le combat sur le nucléaire avec les questions de gouvernement, avec les interventions qu'on fait. On va porter aussi la campagne dans l'hémicycle, ça c'est une évidence. Et du coup, on va utiliser aussi l'avenue de l'ancien Premier ministre japonais pour avoir cet événement dans l'Assemblée même. Sur les alternatives, je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut que la campagne que nous menions, l'idée c'est d'avoir en tout cas autant d'arguments contre le nucléaire que pour nos propositions, parce que je pense qu'il faut aussi montrer les alternatives que nous on veut, montrer que c'est possible, parce que c'est évidemment la question qui se pose régulièrement quand on parle de ce débat, et on voit bien avec le débat qu'on a nous ce soir, même avec des gens qui sont assez convaincus ou qui sont pas particulièrement fans du nucléaire, la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment le faire, comment est-ce qu'on le ferait, c'est une question extrêmement importante. Donc je disais tout à l'heure, en plus donc nous on veut une planification centrale de sortie du nucléaire et de promotion des énergies renouvelables, mais évidemment ça sera pas une énergie aussi centralisée, parce que selon les territoires on va plutôt utiliser une énergie marine, plutôt une énergie solaire, plutôt une énergie, enfin voilà, donc selon les territoires ça va être aussi extrêmement différent. Donc ça veut dire que la manière dont on le gère et la manière dont on présente les alternatives est extrêmement importante, et ça c'est un point qu'on garde bien à l'esprit pour la campagne, d'avoir aussi toute cette présentation en tête. Et finalement, sur la dernière question, je crois que j'ai à peu près répondu à tout après. En commission développement durable, est-ce qu'on parle du nucléaire? Alors, jusqu'alors, pas tellement. Là, on va avoir des auditions qui vont avoir lieu sur Bure, donc c'est pas directement nucléaire. Mais quoique, si, on en a eu une de l'ASN aussi qui a eu lieu. Donc, on en parle. On a des difficultés à accéder à certaines informations. Mais c'est pas on est sur un gouvernement qui a décidé que pour l'instant, moi, pour avoir interrogé plusieurs fois Nicolas Hulot sur cette question, on nous donne aucune information de calendrier, on nous donne aucune information sur les priorités. Donc on peut interroger des acteurs qui nous répondent de manière plus ou moins vague, mais on n'est pas sur des informations extrêmement précises et pas sur une vraie volonté d'avoir un débat. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour particulier en ce moment. La question de Bure va être à l'ordre du jour parce que, comme le gouvernement a dit qu'il trouvait que c'était une bonne solution à l'enfouissement géologique,
on fait quand même des auditions. Donc nous, on va se battre sur cette question. Et il est clair qu'à mon avis, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes va devenir, va s'accroître plutôt autour de Bure, qui est vraiment la question pressante en ce moment. Donc on en fait un peu, mais c'est pas on n'est pas sur un débat. Enfin, il y a un vrai problème démocratique sur cette question, ça c'est clair. Faire une petite intervention technique pour répondre à ce que tu, à la question que tu posais. Il y a eu deux amorces d'expérience en Bretagne, dans la baie de Saint-Brieuc. La première portait sur un parc d'éoliennes marines en mer, au large de Saint-Brieuc. Alors, avec au début une opposition farouche des pêcheurs, c'est le grand centre de récolte des coquilles Saint-Jacques en particulier. Le problème a été résolu en plusieurs années, hein, c'est-à-dire effectivement, ce que disait Mathilde, le problème de temps est absolument considérable. C'est-à-dire, si on ne s'y prend pas maintenant, dans 20 ans, on y sera encore. Ça, c'est une certitude. Donc le problème a été réglé avec les pêcheurs. Je ne sais pas si ma voisine et camarade, qui a une propriété comme nous, non loin, est au courant, sait pourquoi le projet a été arrêté. Ça fait 15 ans que ça dure, hein, c'est absolument invraisemblable. Ça a été approuvé par toute une série d'instances, y compris par les utilisateurs de la ressource. Hein. Bon, c'est au point mort. Deuxième chose qui est encore plus extraordinaire, ça concerne les hydroliennes marines. Il y a une zone entre l'île de Bréa et le continent avec des courants très importants. Alors le principe est sensationnel, c'est-à-dire que quand il y a le fusant, la marée montante, les turbines fonctionnent, et quand ça revient très fort, les turbines fonctionnent aussi. C'est sensationnel. Le projet a été entamé il y a une douzaine d'années à peu près. Alors, avec des hydroliennes énormes. Les hydroliennes, ça fonctionne entre l'Écosse, le continent écossais, et les îles Shetland. Ça marche très bien, mais c'est apparemment des petites hydroliennes. Là, d'emblée, EDF, et une entreprise industrielle qui construit les hydroliennes, a démarré sur des projets très importants, très lourds. La première tentative, les hydroliennes ont été faites. La première tentative, les hydroliennes étaient basées à Brest, et donc il y avait à peu près une centaine de kilomètres par la mer. Ça devait en principe se passer sans problème. Les hydroliennes ont coulé dans le port de Brest, donc il a fallu les récupérer. Ça a pris un temps fou déjà, les réparer, etc., etc. Aux dernières nouvelles, alors là ça date d'il y a 15 jours, un mois, hein, pas plus. EDF arrête le projet. C'était à hauteur de 2 milliards d'euros. Et la raison qu'ils ont donnée, parce que le conseil départemental maintenant, je crois, qui avait investi pas mal de fric là-dedans, a poussé les hauts cris en disant « Vous arrêtez, comment ça se fait? On a investi beaucoup, beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on veut que ça continue. » Et la réponse d'EDF, à ma connaissance, d'après ce que j'ai lu dans les journaux locaux, c'était, donc parce qu'il y avait une tentative sur place, hein, corrosion. Les machines étaient corrodées. Donc on arrête. L'eau de mer est corrosive. Vous en faites ce que vous voulez. Alors je veux bien, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, qu'on est des ingénieurs tout à fait remarquables, ce qui est absolument vrai. Mais enfin là, quand on arrive à des aberrations pareilles, c'est quand même assez stupéfiant. Voilà, c'était juste un petit point. Je voulais simplement dire, quand j'étais jeune, c'est une question de budget de recherche. Parce que, effectivement, l'eau de mer, c'est corrosif, vous n'étiez pas au courant, mais voilà. La volonté politique. Je me rappelle cette banderole dans les manifs écolos, donc on nous traitait de zozo à l'époque, mais c'était marqué. Le budget de la recherche sur l'énergie solaire égale le budget de subvention de l'Opéra de Paris. Et c'était vrai. Voilà, à tel point qu'on ne croyait pas au solaire, on ne croyait pas à l'énergie renouvelable, et que, par contre, l'énergie pétrolière et l'énergie nucléaire étaient arrosées de fric. Oui, on discute de problèmes techniques, c'est-à-dire par quoi peut-on remplacer le nucléaire, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément clair. Moi, je voudrais revenir sur un point, c'est
pourquoi ne peut-on jamais parler du nucléaire de façon politique? Et ça, ça fait 50 ans que ça dure quand même. Mais pourquoi? Parce qu'on est au cœur du dispositif colonial de l'impérialisme français. C'est ça qu'il faut souligner. C'est-à-dire que là, on est au cœur de ce qui constitue l'oligarchie financière, industrielle, énergétique française. Je veux dire, et jamais on pourra en parler. L'EDF, c'est quoi? L'EDF, ben, c'est Polytechnique. Hein? C'est essentiellement Polytechnique et c'est la chasse gardée. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi beaucoup de subventions données à beaucoup de syndicats, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est complexe, l'EDF. C'est très, très complexe. Et l'industrie nucléaire, c'est polluant. Mais c'est polluant aussi, d'une façon plus générale, auprès de la gauche. Et à un moment donné, ça a été... Il faut le dire. Il faut le dire parce qu'il faut poser les problèmes en termes politiques. En termes de lutte de classe, il faut arrêter de les poser en termes techniques. Est-ce qu'on peut remplacer par des éoliennes, patins, couffins? Mais oui, on peut tout faire. Le problème, c'est qu'on a la volonté politique de le faire. Et si on a la volonté politique de le faire, c'est à qui on va se heurter? Et moi, je trouve ça formidable que la France insoumise ait le courage de faire ça. Parce que depuis 50 ans, c'est la première fois qu'il y a un groupe politique qui ose faire ça. Non, les écolos l'ont mal posé, ils l'ont pas posé en ces termes-là. Ils n'ont pas posé en disant, est-ce qu'on peut parler politiquement du nucléaire? Est-ce qu'on peut parler politiquement de l'EDF? Est-ce qu'on peut parler des investissements et des non-investissements avec les inepties qui disent pour ne pas favoriser d'autres types de recherches? Mais on peut trouver d'autres types de recherches. Maintenant, parlons du nucléaire. Faisons effectivement une votation et on va en parler, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que vous êtes là au cœur du colonialisme français, c'est pas seulement le Niger, mais c'est tout. Tous les pays africains qui sont touchés par ça. C'est 50 ans de construction. Il faut aussi maintenant... Et pourquoi le nucléaire se pose? C'est aussi parce que technologiquement, le nucléaire, qui était une grande vision de la politique française gaullienne dans les années 50, aujourd'hui, il est remis en question au niveau mondial. C'est-à-dire plus personne n'est persuadé de... Le bienfait du nucléaire et même de sa réussite économique et de sa réussite industrielle. Tout le monde remet en question la possibilité d'avoir un débouché, d'avoir une issue fiable à cette énergie. Les Chinois aussi? Mais oui, les Chinois aussi. Tout le monde. Parce qu'on... Et qu'est-ce qui se passe avec Hinkley Point, qui est le point central du débat? Ça fait 30 ans quand même qu'Hinkley Point, ils disent que l'EDF essaye de monter et de faire que ça tourne. Ça ne tournera pas avant, au moins encore 20 ans, d'après ce qu'on nous dit. Il faut savoir que les Anglais qui naissent aujourd'hui vont continuer à payer à l'EDF des subventions qu'on leur donne pour construire cette centrale monstrueuse, terrifiante. Je veux dire, c'est un vrai problème politique. Ça met en jeu... des univers de mafieux complets, le nucléaire, c'est ça, hein, c'est des constructions financières, politiques, invraisemblables au niveau de l'Angleterre, ce sont des coteries. Alors quand on dit que c'est par idéologie qu'effectivement on ne peut pas discuter du nucléaire, oui, alors l'idéologie ça vient d'où? Voilà la question que je voulais poser. Maintenant j'arrête parce qu'on me dit qu'il y en a trop dit. Donc bonsoir, merci en tout cas Mathilde d'être venue, enfin, on se connaît et puis on avait fait une partie de la campagne présidentielle au sein des équipes nationales. Je pense qu'il faut qu'on mesure un peu l'instant dans lequel on est. Moi je ne vais pas parler que de la question nucléaire mais la lier justement aux différentes questions parce que le programme de l'avenir en commun qu'on a défendu et qu'on continue à défendre, comme tu le disais, c'est un tout. C'est une logique, et c'est une logique globale et une logique d'ensemble qui lie les questions justement écologiques aux questions sociales et aux questions démocratiques. Et je pense que cette trilogie finalement, en fait, elle n'est pas dissociable et qu'il faut voir toujours par les trois prismes l'ensemble de l'action politique quand même. Et je rejoins un peu ce que disait aussi Laurent, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses de manière éminemment politique et pas seulement de manière technique ou de comment peut-on. Moi, je crois à une chose, je pense que le savoir technique, il est servi au service de la décision et de la volonté politique. On sait faire tout. On sait faire tout d'un point de vue technique, je veux dire aujourd'hui, que ce soit en matière écologique, que ce soit en matière technologique, etc. La question, c'est au service de qui
et dans quel intérêt et pourquoi faire. Alors, je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce qui a été fait. La création de la France insoumise, l'existence aujourd'hui d'un groupe parlementaire, dans le niveau de lutte et dans le niveau de combat qu'il est, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne ça comme un point d'appui très important. Rappelons-nous où nous en étions il y a encore un an et demi ou deux ans, et que si nous n'avions pas ce groupe parlementaire aujourd'hui pour mener cette bataille-là, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui avec l'offensive libérale qui est celle de Macron qui veut passer au rouleau compresseur. Mais, je dis un mais, alors on nous dit que Macron monte en flèche dans les sondages. Voilà. La belle affaire. Vous pensez sincèrement que Édouard Philippe s'est converti à au retrait de Notre-Dame-des-Landes? Vous pensez vraiment qu'il se sent, y compris, alors pour parler d'un autre sujet au niveau européen, ils se sont convertis à la lutte contre la pêche électrique? Je pense que cette oligarchie-là, politique, économique, etc., est aussi traversée de contradictions. Et que nos luttes, parce qu'il y a des luttes aujourd'hui qui ont eu lieu pendant des années, des années, des années à Notre-Dame-des-Landes, on en paye aujourd'hui aussi les fruits, enfin, on en récolte plutôt les fruits. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ce qu'on est capable de faire. Et que ce soit sur la question du nucléaire ou sur d'autres questions, moi je pense et je crois à la conjonction et la rencontre finalement entre les luttes sociales, les luttes écologiques, et les forces de proposition que représente la force aujourd'hui émergente d'opposition à ce magma qu'est le macronisme, qu'est la France insoumise. Et je pense, parce qu'il n'y a pas que la France insoumise qui lutte contre Notre-Dame-des-Landes et contre le nucléaire, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Mais nous, on a un projet qui est cohérent, et c'est le seul projet qui est aujourd'hui cohérent, qui propose une alternative justement au monde libéral qu'il existe depuis des décennies et des décennies. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on savoure les victoires, parce que j'entends les précautions, attention, oui, mais on a gagné, mais par contre la ZAD, etc. Non, non, il faut savourer les victoires, il n'y en a pas beaucoup. Il faut les savourer, et il faut tracer le chemin et continuer à lutter toutes et tous ensemble. Merci. Moi, je voudrais juste faire un petit point en plus par rapport à ce qu'a dit Laurent, et notamment par rapport à l'impérialisme et les rapports avec les pays africains, puisque quand on parle de sûreté et de sécurité du nucléaire, on pense toujours à la sûreté et la sécurité des centrales. Mais le problème, c'est que tout l'uranium qu'on importe de l'Afrique, à un moment, il passe quelque part. Et du coup, il faut aussi savoir protéger ces matières radioactives. Or, il faut savoir que depuis le début des années 90, il y a eu à peu près 750 vols de matières radioactives dans le monde. Et on ne sait pas ce que sont devenues ces choses-là. Alors les gens nous disent, oui, mais les groupes terroristes qui pourtant ont affirmé avoir l'intention de faire justement des dégâts nucléaires, nous disent, oui, mais ils sont incapables de créer des bombes nucléaires, ce qui est sûrement vrai. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont tout à fait capables de faire des choses très simples, c'est de mettre des produits radioactifs sur des bombes classiques, et du coup de nuire pour des millions d'années sur des zones de plusieurs kilomètres carrés, dans les pays où ils vont poser ces bombes-là. Moi, je ne suis pas catastrophiste, hein. Simplement, on est quand même dans un monde où aussi le risque terroriste est quelque chose qu'il faut savoir prendre en compte et pas juste fermer les yeux. Et voilà, ça, c'est un vrai risque. Et du coup, je voulais juste... Quelqu'un a évoqué tout à l'heure les liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de complexe militaro-industriel ou est-ce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça? Enfin voilà, quelle est la situation et en quoi c'est lié? Oui. Oui, d'accord, oui. Moi, je voulais parler de la production d'énergie, c'est-à-dire cette énergie formidable qui venait du pétrole, parce que finalement, le pétrole, c'est l'énergie magnifique. Cette énergie vient à manquer, en plus, ça pollue, on le voit bien. Elle nous a permis de... dans certaines parties du globe, d'avoir un certain niveau de civilisation basé sur l'électricité et sur l'énergie. Il semble que toutes les autres façons de produire de l'énergie ne sont pas aussi productives que le pétrole. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer de l'énergie éolienne. Il faut beaucoup d'énergie pour... Il faut de plus en plus d'énergie pour fabriquer de l'énergie. Donc cette énergie que nous consommons à foison en ce moment, nous allons de moins en moins pouvoir le consommer.
Donc, notre société à venir, solidaire et mondiale, doit prendre en compte le fait que nous avons une quantité d'énergie produisible extrêmement limitée. Et toutes nos réflexions doivent partir de là. Comment allons-nous partager cette énergie qui devient de plus en plus rare et de plus en plus chère? Je voudrais vous signaler un reportage sur France 2 d'une demi-heure, envoyé spécial sur la robotisation de la société et l'intelligence artificielle, qui promet dans les 20 ans à venir le remplacement de 250 millions d'emplois par des robots. Ces robots, comment marchent-ils? Voilà. Bonsoir. Comme le micro est un peu court, je vais me pencher pour être. Tu peux tirer sur une position un petit peu étrange. Anne-Sophie, tu peux tirer. Ah, je peux tirer. Bonsoir Mathilde. Merci d'être là. Merci d'avoir organisé la réunion. Moi, je fais partie du groupe d'appui Croulebar 13e. Voilà. Et je te remercie, Rafik, en fait, d'avoir. Alors, permis du coup de penser que je pouvais éventuellement aborder un petit sujet rapidement. Quand tu disais que tous les sujets de l'urgence écologique sont à prendre en compte, il y en avait un lorsque je me suis engagée au sein de la France Insoumise qui me tenait et me tiendra longtemps à cœur, je pense jusqu'à ma mort, c'est la seconde cause des gaz à effet de serre. Et au sein de la France Insoumise, dans l'avenir en commun, dans la règle verte, le courage de Jean-Luc Mélenchon durant la présidentielle et même largement avant, lorsqu'il était à la fête de l'humanité, d'avoir parlé de la sortie des protéines carnées, donc de prendre ce tournant. Moi, je me suis aperçue, alors certes, lorsqu'il y avait la convention, j'ai eu la chance d'être tirée au sort, donc j'ai pu m'y rendre. Et ces trois sujets qui étaient tirés au sort ont mis de côté effectivement la sortie des protéines carnées, du moins la réduction des protéines carnées. Et je voulais savoir si au sein de la commission développement durable, cette question est débattue. Je sais que, enfin nous savons, pardon, que Alexis Corbière et Hugo Bernalicis ont posé la question au gouvernement de savoir si c'était, de parler des cantines et des cantines étatiques. On a quand même pour exemple que c'est possible de le faire, y compris dans un pays extrêmement axé sur la nourriture viande, carnée, permanente, c'est-à-dire l'exemple du Portugal, qui a réussi à voter en mai dernier et s'est passé l'obligation pour toutes les cantines étatiques et même la restauration d'avoir toujours un repas végétarien, voire végétalien. C'est une obligation, donc c'est une décision politique et un vrai tournant qu'ils ont pris. Et je vais essayer de pas être trop long. C'est juste que hier, j'ai fait, comment on appelle ça, de l'infiltration. Je suis allée à une réunion En Marche. Dans le cinquième, je me suis pas compromise, mais je trouvais ça intéressant d'aller écouter, de voir ce qui se passait. Il y avait trois personnes qui devaient être là. Un député n'a pas finalement pas pu s'y rendre. C'était cette chère madame qui a un problème avec 5 euros des APL, là, comment elle s'appelle déjà, Claire Opetit, qui était là. Une vraie découverte. Une expérience. Hein. Samantha Casbonne, et devait y avoir Loïc Dombreval, qui n'était pas là. Et en fait... forcément, dans la salle, nous étions nombreux, finalement, en définitive, on était une petite dizaine d'insoumis antispécistes, véganes, à avoir infiltré cette réunion En Marche, avec sourire. Et moi, je les ai vraiment félicités de leur courage, parce qu'il faut, se trouve qu'ils ont une notation au sein d'L214, politique et animaux, qui est absolument minable. Ils sont derrière le FN, c'est peut-être assez éprouvant pour eux. Et enfin bon, ils sont à 6, quelque chose. On sait que la France Insoumise était à 17, quelque chose. Vous avez une excellente note, d'ailleurs. Et en fait, quand on a abordé la question de cette cantine, on voudrait tous simplement que c'est la deuxième cause des gaz à effet de serre, c'est le fait de consommer de la viande et des produits laitiers. Hein. Juste, du coup, ça, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce qu'on aime tous manger tout ça. Moi, j'ai arrêté. Mais il se trouve qu'il y a un décret qui l'empêche et qui empêche que les cantines puissent avoir cette proposition végétarienne, cette alternative végétarienne. Alors, je voudrais juste savoir si, et au sein de cette commission, ça continue à pouvoir en discuter, si au sein de la France Insoumise,
il y a quand même quelque chose qui fait qu'on pourrait planifier, parce que vis-à-vis du nucléaire, on ne peut pas aller éteindre, aller fermer tout ça, débrancher. Mais par contre, on peut tous les jours arrêter de manger tout ça. On n'a pas besoin d'attendre que les tournants se prennent là-haut. Voilà. Merci beaucoup. Salut Mathilde. Alors j'ai une question un petit peu naïve peut-être. Moi je suis originaire d'un pays où en fait on n'a pas de, de centrale nucléaire. C'est l'Italie, si ça ne s'entendait pas. Voilà. Et en fait, qui n'est pas, je pense, moins polluant pour autant. Enfin, c'est l'énergie qui n'est pas produite par les centrales nucléaires. Soit elle est importée, et l'Italie, elle importe encore beaucoup. Elle importe beaucoup de gaz aussi, parce que quand même, il faut chauffer. Même en Italie, il faut chauffer. Et donc, en fait, je suis tout à fait d'accord, par contre, avec la sortie nucléaire et avec tout ce que tu as dit, notamment sur la sûreté des centrales. Mais je me demande, en fait, si ces scénarios des sorties nucléaires assez rapides, en fait, font reculer la sortie des autres énergies aussi qui sont nécessaires, et donc les passages à l'électricité pour des services ou des machines qui maintenant utilisent d'autres énergies et qui sont aussi polluantes et parfois qui ont aussi des répercussions environnementales plus urgentes. Bon, c'est un peu difficile de dire ça après tout ce que tu nous as raconté, mais en fait qui sont plus immédiates au moins, disons. Voilà. Oui, juste une petite question, un problème qui se pose, et je pense que c'est un large débat, c'est le problème du travail. Et je crois qu'à propos du nucléaire, on doit avoir le courage de dire aussi que certains travaux ne pourront pas perdurer. Donc le problème, c'est le problème de la reconversion, enfin c'est valable aussi dans l'industrie chimique. Et on se heurte parfois à certains conservatismes, on voit que la CGT, par exemple, a fait ses dives, défend l'emploi, à juste titre. Donc quelle réponse on peut apporter à ces travailleurs, quoi. Et puis surtout, voilà, quelle perspective, parce que souvent, bon, certaines industries polluantes font vivre beaucoup de gens. Donc je crois que sur ce plan-là aussi, on doit avoir le courage de dire politique que certains travaux ne pourront pas perdurer, mais aussi, bien sûr, leur proposer autre chose, quoi. Des reconversions dans les industries non polluantes. Voilà. Oui, une toute petite question et très rapide. Est-ce que lors de la commission, le problème du thorium a été posé? Parce que c'est très important, et enfin, le thorium pourrait... Alors ça ne résout pas le problème nucléaire, pas du tout, mais en attendant, c'est très très facile à adapter. C'est juste la cuve qui reçoit l'uranium ou le thorium qui est juste adapté, et ça permet de recycler les déchets de l'uranium. Donc ça permettrait déjà d'éliminer pas mal de déchets dans le nucléaire qui sont produits par l'uranium. Merci. Anecdote cocasse, je crois que c'est un Italien qui a mis au point la première centrale nucléaire. Je crois que c'est Enrico Fermi en 1942. Et l'Italie a toujours refusé de faire des centrales nucléaires à cause du risque sismique. Ça rejoint la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur le Japon. Il n'y a pas que ça, c'est pas la seule raison. Après, ce qui est intéressant, c'est le sujet économique qui vous intéresse. Je crois que la société TEPCO qui possédait la centrale de Fukushima a fait faillite le lendemain et a été nationalisée au yen symbolique par le gouvernement japonais. Enfin, voilà, c'est le sujet. C'est les contribuables. Pardon, j'ai oublié de vous raconter, juste, ça va être très court, c'est la réponse de Madame Aupetit, parce que c'est drôle quand même. Quand on a dit ce décret, est-ce qu'on pourrait le faire péter pour pouvoir avoir le droit de... Et là, taratata, non. Parce que dans ma région, si ça passe, on a le Front National qui passe dans 4 ans. Voilà. Pas de végétarien, pas de cantine végétarienne, à cause... pour éviter le Front National. L'argument ressemble étrangement au présidentiel. Je vais répondre aux questions et puis en même temps, comme ça je fais la petite conclusion en même temps.
Alors, je vais essayer de reprendre. Alors, il y avait pas mal de remarques, je pense, qui appellent pas forcément à des réponses au début. Oui, sur la question de l'énergie qui serait limitée, enfin la question que tu posais tout à l'heure. Depuis 2009 en France, la consommation d'électricité, elle augmente quasiment plus, mais c'est évident que la transition énergétique et la transition écologique qu'on veut faire, du coup, c'est évident que ça passera aussi par une efficacité et une sobriété énergétique qui est indispensable. Et là, quand on regarde ce que Emmanuel Macron a prévu sur le nombre de logements qu'il veut rénover, qui fait notamment partie des choses sur lesquelles on peut agir rapidement pour déjà avoir une baisse de consommation qui est de fait immédiate après cette rénovation, on voit que par rapport au scénario négawatt, donc qui chiffre comment est-ce qu'on pourrait aller vers les 100% d'énergie renouvelable, on est à peu près à 10% de ce qui devrait être fait en termes de rénovation énergétique sur les 5 ans. Donc on est très 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 loin de ça, sachant que généralement c'est les logements des pauvres qui sont les moins bien isolés, donc qui en souffrent le plus aussi, et c'est pas cela qu'on va forcément rénover en priorité. Donc ce qui pose un vrai problème, mais c'est sûr que la question de la sobriété, elle va se poser de manière immédiate. Et du coup, je me suis rendu compte aussi avec ta question, que j'avais oublié de répondre à une question tout à l'heure, qui était la question de la durée. Nous, on va pas... Dans combien de temps on sort du nucléaire, en fait ? On va pas aller sur cette question parce que tous les réseaux de sortie pour sortir du nucléaire ne sont pas d'accord sur cette question-là. C'est une question qui, du coup, revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas trop techniser aussi le débat. Ce sur quoi nous, on se bat, c'est de dire qu'il faut cette sortie-là. Et je suis d'accord avec ton exemple de l'Italie où tu dis qu'effectivement, une sortie du nucléaire sans un plan réel d'investissement massif, parce que c'est ça qu'il va falloir faire, c'est investir massivement en termes d'argent, en termes de moyens humains, de formation, ce dont on parlait tout à l'heure. Si on le fait, mais que c'est pour rouvrir des centrales à charbon, si on le fait pour réimporter de l'énergie d'autre part, évidemment que ça n'a pas de sens. Donc l'idée c'est, et c'est ce pourquoi on fait une campagne qui couple les deux, c'est de dire que la sortie nucléaire, elle doit être conjuguée à une planification écologique qui mette réellement les moyens pour le développement des énergies renouvelables et donc des énergies durables, et pas revenir sur des sujets. Il y a plein de pays qui n'ont pas effectivement de centrales nucléaires, mais qui sont dans des productions d'énergie qui sont extrêmement polluantes aussi, et là-dessus on est bien d'accord. Mais nous, ce sur quoi on se bat principalement, c'est pour que on convainque politiquement qu'il faille sortir du nucléaire et aller vers les énergies renouvelables. C'est ça notre combat politique qu'on mène maintenant. Après, la question de savoir mettre des experts qui discutent entre eux de savoir est-ce que la sortie, elle se fait en 2050, est-ce qu'elle se fait en 2060, en 2040, c'est une question qui est extrêmement importante, mais sur lequel, enfin nous, on a apporté une première réponse dans le livret parce qu'on dit 100% d'énergie renouvelable en 2050, mais c'est une question sur laquelle, je dirais pas qu'elle est secondaire, mais c'est une question où, à partir du moment où il y a la volonté politique, et ben on avancera dessus et on arrêtera de toujours repousser le mur à plus tard. Mais je suis d'accord, tu as raison avec ta remarque sur l'Italie. Sur la réduction ou sortie des protéines carnées dont tu parlais, alors à la commission développement durable, c'est des choses dont on n'a pas forcément parlé. Par contre, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de projet de loi ni d'audition sur cette question. Par contre, nous, la France Insoumise, c'est quelque chose qu'on a mis dans notre programme et sur lequel on s'engage effectivement. Moi-même, j'étais cet automne, je ne sais plus quand exactement, mais avec les opposants à la ferme des 1000 vaches. Donc, soit dans des luttes, soit dans des pétitions qu'on porte, soit dans les discours qu'on le porte aussi. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est mis à l'ordre du jour de l'agenda parlementaire. Et c'est bien dommage. Mais en tout cas, on continue à pousser là-dessus avec les 17 députés qu'on est. Pop. Nucléaire, civil, nucléaire, militaire. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du nucléaire militaire, donc je ne vais pas en parler extrêmement longtemps parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un lien aussi sur la manière dont on a continué à développer le nucléaire, le fait qu'on l'utilise aussi
enfin, de le... Donc c'est important aussi de parler de cette question du nucléaire militaire. Nous, on a été, enfin moi j'ai été, notamment, mais voilà, c'est là où on voit par exemple qu'en termes de démocratie et de transparence, on est quand même très très loin. J'ai été au Fort de Vaujours, je ne sais pas si vous connaissez le Fort de Vaujours, une quinzaine de kilomètres de Paris. Il y a eu des essais pour créer la première bombe nucléaire française. Et donc, il y a eu des essais pendant 30 ans dans ce fort, sur lequel il n'y a aucune transparence, puisque c'est protégé par le secret défense. Et dans une ville qui s'appelle Coutry, juste à côté de ce fort de Vaujours, dans cette ville, à Coutry, vous avez 50% des gens, donc une personne sur deux, qui meurt d'un cancer. Donc beaucoup plus que la moyenne de ce qu'il y a. Il y a même une rue qu'on appelle dans cette ville-là, qu'on appelle la rue des cancers, où notamment il y a eu un très bon reportage qui a été fait récemment, où ils toquent à toutes les portes, et à toutes les portes, vous avez les personnes qui vous disent « quelqu'un est mort du cancer chez moi, quelqu'un est malade du cancer chez moi ». Ils ont récupéré des dossiers médicaux d'un père qui a travaillé 20 ans sur le site, qui est mort du cancer, d'un fils qui est mort à 38 ans, lui aussi du cancer, qui travaille, et de son fils qui travaille lui aussi sur le site, avec des éléments du dossier médical qui montrent qu'il y a des éléments de radioactivité, et sur lequel il y a des citoyens et des élus qui se battent depuis plusieurs années pour savoir, pour dire, et nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé exactement dans ce fort-là, et nous avons besoin que vous arrêtiez d'étouffer ça, parce que sinon... là le fort est en train d'être d'avoir une destruction des bâtiments et ils sont en train de le transformer en une carrière de gypse, et si les précautions sont pas prises par rapport à ce qui a été fait, et ben ça met en danger toute la santé des habitants autour. Donc c'est des questions qu'on peut lier, qui sont intéressantes, mais je m'arrête là sur cette question parce que ça c'est jusque aux années 70, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était pas vraiment des essais nucléaires, c'était pour. Ouais, c'est notamment. Il n'y a pas eu camion orange, il y en a eu en Niger aussi. Il n'y a pas eu camion orange, il y en a eu en Afrique aussi. Oui, Niger. On n'a pas commencé tout de suite. Sud-Algérien. Ouais, ben, et puis c'est là où notamment on a fait le premier détonateur de ce qu'on appelait la gerboise bleue, mais ouais, contre, je crois qu'ils l'ont lâché ils ont lâché en 78, non, c'est ça, ouais. Et sur les emplois, donc il y aura évidemment et sur la reconversion, on a des petits décryptages dessus, donc sur lequel on pourra regarder. Je le redisais, donc l'ADEME, qui est donc une agence extrêmement sérieuse, je vous disais tout à l'heure, disait entre 800 000 et 900 000 emplois nets créés si on arrivait au 100% d'énergie renouvelable. La question de la reconversion des travailleurs qui sont dedans, il y aura évidemment des personnels qui pourront être utiles au démantèlement des centrales. Et puis après, c'est une question de formation, de se donner les moyens de trouver, tout comme, c'est marrant, en fait c'est marrant parce qu'on pose souvent cette question-là sur le nucléaire, alors que par exemple sur les centrales à charbon, la question, elle n'est pas posée dans ces termes-là. Donc, en tout cas, on sait que la transition énergétique sera créatrice d'énormément d'emplois. Et on n'oublie pas, évidemment, les salariés et surtout les sous-traitants, d'ailleurs, des centrales, parce que c'est eux qui sont le plus nombreux sur cette question. Mais là, je laisserai aller sur le décryptage. Je vais faire juste une petite conclusion. Et puis, de toute façon, après, on dit du café, c'est qu'on puisse rester un peu discuter. Moi, je suis effectivement extrêmement d'accord pour dire qu'il est important aujourd'hui qu'on pose cette question-là politiquement comme un choix de souveraineté et comme un choix d'avenir pour qu'il y ait une vraie décision des Françaises et des Françaises qui soit une décision éclairée, parce que c'est surtout ça la question, c'est que si on n'a pas accès aux informations, et ben c'est évidemment un débat démocratique qui ne peut pas avoir lieu entièrement. Et là, on est dans une urgence de temps, à la fois à cause de l'urgence écologique dans laquelle on est, mais c'est cette urgence écologique qui, je le disais tout à l'heure, donne tout le sens à notre projet qu'on porte et qui donne un horizon aussi de ce que pourrait être, excusez-moi, de ce que pourrait être la société qu'on prône. Et d'ailleurs, on le voit, je vous ai parlé dans le mandat de Macron de ce qui avait été fait et de tous les renoncements qu'il y a déjà eu.
J'en ai oublié plein parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais une des choses qu'ils font aussi et sur lesquelles ils continuent, c'est la perte des savoir-faire. Et notamment ce qui est en train de se passer avec General Electric à Grenoble, donc où on a un savoir-faire qui est unique en France et unique en Europe, avec des ouvriers qui savent faire des turbines hydrauliques, qui est quand même quelque chose sur lequel, normalement, si on suivait les accords de Paris qui devaient se développer en termes d'énergie, et ben ça, ils sont en train de faire une suppression de postes de 345 emplois, où concrètement, on va perdre ce savoir-faire qui n'existe aujourd'hui en Europe qu'en France. Et d'ailleurs, une partie de la production a déjà été délocalisée, enfin, pas directement de Grenoble, mais il y a déjà une partie des ouvriers qui sont en Chine, et où il y a régulièrement, non pas parce que les Chinois sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas le même savoir-faire. Là, on parle de savoir-faire qui se transmet d'ouvrier ou en ouvrier depuis 100 ans. Il y a régulièrement des problèmes avec les turbines qui sont créées en Chine et qui sont ramenées à Grenoble pour que les ouvriers, du coup, les reprennent. Et on est en train de perdre des choses comme ça sur lesquelles il est extrêmement difficile de revenir derrière parce que ces savoir-faire-là, ils sont indispensables dans la transition écologique qu'on fait. Donc il y a ça aussi à prendre en compte dans tous les dégâts qui se passent en ce moment. Et poser le problème de manière politique, c'est aussi parce que nous, notre projet politique n'est pas possible, enfin, il est même impossible d'ailleurs, disons-le clairement, il est impossible sans un mouvement populaire. Donc nous, on a besoin de mener sur des grands sujets comme ça tout un effort de conviction, de pédagogie qu'on a déjà fait pendant la campagne présidentielle, mais qu'il faut continuer parce que nous, on va avoir un déferlement d'oligarchie contre nous, un déferlement de la finance contre nous. Donc nous, notre seule force, c'est le nombre de personnes qu'on est et l'énergie qu'il y aura derrière notre projet. Et il y aura une violence, c'est sûr. Il y aura une violence qui va être forte aussi parce qu'on s'attaque exactement aux intérêts financiers et oligarchiques qu'il y a aujourd'hui dans la société. Donc nous, notre seule force, c'est le mouvement populaire qu'il y a. Et c'est pour ça que ce qu'on fait depuis les présidentielles, ce qu'on fait avec les livrets ici, mais ce qu'on fait à l'Assemblée, où nous on se forme, nos équipes nous se forment, où on se prépare à... on fait des propositions de loi, on sait comment faire, on fait des amendements, où on se prépare en fait à gouverner. Les ateliers des lois qu'on fait un peu partout, donc qui sont des ateliers où on discute avec les gens pour arriver à une proposition de loi, donc où c'est des sortes d'amendements citoyens en fait. Et où du coup on a des propositions de loi qui sont portées par des citoyens, donc que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de la France Insoumise. Tout ça, ça nous prépare à être au pouvoir. Parce que c'est la chose fondamentale. Nous, on pense, on veut aller au pouvoir, pas parce qu'on aime le pouvoir. Parce que nous, on pense qu'on a des solutions pour le pays, qui sont les solutions, qui sont les bonnes, et qui arrêteront d'enfoncer toujours les mêmes, les outsiders, comme dit Macron, de manière absolument insupportable, qui enfonceront toujours les mêmes et enrichiront toujours la quelques casques et les quelques... un petit nombre de personnes qui s'approprient absolument tout. Donc c'est pour ça qu'on se prépare à ça, et je pense que poser cette question-là de manière politique aujourd'hui, c'est aussi préparer un terreau favorable pour derrière avoir aussi tout ce travail d'explication, avoir ce travail démocratique, et puis parce que nous, on ne croit pas à la politique sans les gens et que c'est comme ça qu'on veut le faire. Et je vous remercie grandement pour cette soirée qui était très intéressante.